Salut à tous, bienvenue dans le Club des 5. On est très heureux de vous retrouver en ce dimanche soir pour parler de football européen. On a un gros programme avec de la Ligue 1, avec de la Première Ligue et de la Liga. On va parler de l'OL et les blessures de Memphis et Jeffrey Nadali, le match nul du Real à Valence et la démonstration de Manchester City du côté d'Arsenal. Mon plateau du soir, Alpha Baldé. Comment vas-tu, Romain ? Je vais très bien, et toi, comment ça va ? Comme un dimanche de football avec tous les terrains européens qu'on a explorés. Et on a eu pas mal d'affiches aujourd'hui, hein, mine de rien, hein, un peu des partout. Il y avait des beaux matchs, des matchs à suspense, il y avait de quoi faire. Hein. Oui, ouais. On a vu Bordeaux se faire taper par exemple par Strasbourg qui perpétue la tradition. Ça, c'est la tradition. Lyon aussi perd la tradition du dimanche 15h, hein, c'est celle de Samuel Vasselin qui se réveille vers 14h30. Ouais. Il regarde la défaite de Bordeaux, puis après il refait une petite sieste. Après, il y a eu de bons matchs. Hein, dans le meilleur des cas, il fait une sieste et il oublie de venir à l'émission en dimanche soir. C'est déjà arrivé aussi. Comme ça, au moins, il voit pas la défaite. Voilà, exactement. Dominique Baïf. Salut Romain, bonsoir monsieur. Bon retour de vacances, mais Dominique. Merci. Ça nous fait plaisir de te voir, ça fait longtemps que t'es pas venu. Plaisir de. C'était bien la réunion ? Parfait, toujours. Il a pris des couleurs, toujours parfait. Ah ouais, hein, il est bon. On s'est reposé, on a vu la famille, voilà. Ouais. Tout va bien. Et à nouveau dans le Club des 5, première fois avec nous, on est très heureux de t'accueillir, Yacine Amened. Bonjour Yacine. Bonsoir à tous. Comment ça va ? Ça va bien, merci. Impeccable. Yacine, tu as écrit un livre notamment, ouais. sur le déclin du foot français. Tu es aussi formateur. Moi aussi. Dans des clubs, donc on va pouvoir avoir ton analyse sur les 5 grands championnats. On est très content de t'avoir parmi nous. Tu as écrit avec Daniel Riello ? Ouais. Ah, effectivement, ouais. C'était pourquoi le football français va dans le mur. Voilà. Effectivement, c'est aux éditions Hugo Sports. Ça va rappeler d'avance, parce qu'il n'y a plus de club français en Coupe d'Europe, en Ligue par exemple. Effectivement, ça se voit. Il est très intéressant ce bouquin, je l'ai lu il y a 2-3 ans, où ça parle de formation notamment, déjà exporté, produit fini, pas fini. Vous étiez 3, donc il y avait Daniel Riello, éditorialiste. Fawzi Djedou Benabi. Qui est recruteur, et toi qui est éducateur formateur. Très intéressant. Ouais. Oui, bah, si on pense que le football français va très bien, lisez ce livre. Ils n'ont pas eu besoin qu'aujourd'hui qu'on gagne, que le foot français ne gagne pas par rapport au foot norvégien ou je sais pas quoi pour le dire. Ils ont été avant-gardistes là-dessus et les hypothèses et les thèses qu'ils posent sont très intéressantes et ça permet à réfléchir parce que c'est comme ça que fonctionnent les clubs français. On en parlait l'autre fois avec sur les réseaux sociaux d'ailleurs. On a eu un petit échange hier. Avec les agents autour qui virevoltent, les présidents qui mettent des amis et tout ça, et le bouquin explore bien ces paramètres-là, c'est super intéressant. Bonsoir à vous les socios qui êtes là sur le chat, qui parlent déjà de l'Olympique Lyonnais. On va en venir tout de suite à l'Olympique Lyonnais. On nous demande pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Il se passe que Jeffrey Nadelaïd et Memphis Depay, ils se sont fait les croiser aujourd'hui, donc on va pouvoir en parler. N'hésitez pas à liker l'émission, à nous mettre des petits pouces bleus, on a besoin de votre soutien. On est bientôt 51 000 abonnés sur la chaîne du Club des 5, on est très heureux. Merci d'être tous les soirs plus présents pour parler de foot avec nous. Vous pouvez vous abonner, s'il y a des nouveaux qui ne nous connaissent pas, vous pouvez vous abonner à la chaîne du Club des 5, c'est juste en dessous. On est là tous les soirs pour parler de tous les thèmes des 5 grands championnats. Donc on est là pour parler du Real, de Valence, de Manchester City, d'Arsenal, de Lyon. Ça va être les thèmes du soir. Vous pouvez nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. J'insiste sur le Twitter parce que pour savoir à l'heure exacte à laquelle on va partir tous les soirs, c'est peut-être le meilleur des moyens. On vous met à chaque fois le petit teaser pour savoir qui sont les intervenants du soir et à quelle heure on part. Le programme du soir, je vous le dis brièvement parce qu'on a un petit bug pour vous le montrer en affichage. On va parler de Lyon. Est-ce que c'est la fin des espoirs de podium pour l'OL avec les blessures de Jeffrey Nadalid et de Memphis Depay? Ensuite, on parlera d'Arsenal Manchester City, la démonstration des Citizens à l'Emirates Stadium pour voir que Manchester City se rapproche de Liverpool, mais c'est encore très très loin et on va voir quel sera de Leicester qui a de l'objectif, se rapproche de Leicester qui a fait match nul ce week-end. On parlera d'Arsenal, savoir si le changement d'entraîneur est maintenant impératif, la nomination d'un nouvel entraîneur est impérative. Et puis on analysera ce Valence Real Madrid avec la légalisation de Karim Benzema à la dernière minute. On fera un petit focus sur le français qui, encore une fois, fait rapporter des points au Real. Karamoko Dembélé nous dit Courtois BG, effectivement, Courtois qui est sur la tête, sur le but de Benzema. C'est lui qui monte sur le corner et qui met une tête. À un moment donné, j'ai eu peur qu'il mette la frappe, je me suis dit laisse-la Benzema. C'est un dégagement. Ça pouvait partir très haut.
La question du soir, les socios, elle est sur l'Olympique lyonnais. Après ses blessures, après celle de Memphis, après celle de Jeffrey Adelaide, Lyon peut-il encore viser le podium en Ligue 1? Vous pouvez nous donner votre avis sur le chat et dans les commentaires. Voilà, ça commence à faire beaucoup. On peut ajouter les blessures de Léo Dubois, de Youssouf Koné derrière. On va pouvoir se poser la question de savoir si Lyon, peut encore viser le podium en Ligue 1 ou doit abandonner toute ambition et peut-être repartir quasiment de zéro. Ah ça, non, ça faut mourir avec ses ambitions. on verra ce que l'OL, ce que Jean-Michel Aulas et Juninho, et Rudy Garcia vont décider. On va commencer justement sur l'Olympique lyonnais. Débrief très rapide de ce match face à Rennes. Défaite 1-0 de l'OL grâce à un but, un petit exploit de Kamavinga, je n'arrive jamais à le prononcer, plus que la défaite qui est déjà une très grosse contre-performance au Parc des Lumières, le Groupama Stadium, au Parc OL. C'est ces deux blessures, la grosse information de la journée, Dominique, et ça va être très préjudiciable pour l'OL par la suite. Oui, surtout sur cette deuxième partie de saison qui les attend. On avait vu une équipe qui déjà a des difficultés à faire le jeu et à être vraiment régulier sur les derniers résultats. Et malheureusement pour eux, ils seront amputés des deux leaders offensifs et techniques de cette formation. Donc avec eux déjà, c'était un petit peu difficile. Sans eux, bah, ça devient presque mission impossible, j'ai envie de dire. Alors il y a un mercato hivernal et ils vont peut-être chercher des renforts. Mais le temps que ces joueurs-là aussi s'adaptent à la formation lyonnaise, trouvent leurs repères et puissent pallier, on va dire, l'absence de notamment de Memphis Depay. C'est vraiment quand même le meilleur joueur de cette équipe lyonnaise depuis le début de saison. C'est lui qui portait offensivement un peu les responsabilités, même si Dembélé est le buteur, mais on va dire dans le jeu, je veux pas dire dans la création parce qu'il est pas vraiment dans le créatif, mais dans son importance sur le secteur offensif. Perdre ce joueur là à ce stade de la compétition et stade de la saison, pour moi c'est rédhibitoire pour les objectifs de Lyon pour la deuxième partie de saison. Sur le match aujourd'hui, on a vu quand même les mêmes mots de l'Olympique lyonnais, Yacine, c'est les mêmes mots qu'on voit depuis quelques semaines. Et c'est vrai qu'en plus, quand tu es amputé de Memphis assez vite et de Jeffrey Adelaide par la suite, ça a été beaucoup compliqué. Hein, compliqué. En fait, c'est ce que j'allais dire, c'est que quand ils étaient là, déjà, c'était pas terrible. Donc effectivement, maintenant qu'ils sont plus là les deux, ça va être encore plus compliqué. On voit bien que cette équipe, il n'y a rien. Il n'y a pas d'idée directrice, il n'y a pas de jeu. Et je pense que la cerise sur le gâteau, même si elle vient après les blessures, etc., c'est le but de Kamavinga. Ok, il fait un exploit, mais il faut regarder Andersen défendre. C'est juste scandaleux de défendre comme ça en niveau professionnel. Non, tu peux pas te faire éliminer sur un tout droit. On a l'impression qu'il s'efface, quoi. Kamavinga qui part des 30 mètres, ouais, à peu près, hein, qui d'abord n'est pas attaqué, puis après, quand il est attaqué par Andersen, il fait semblant. Enfin, voilà. Il a une autoroute, quoi. Ouais. C'est un ensemble de choses. Et c'est vrai que là, ça s'annonce compliqué pour eux. Garcia, avec ses meilleurs joueurs, il n'avait pas trouvé la clé. Là, on se dit comment il va faire. Justement, comment il va faire? Bah, il y a eu cette sanction, c'est pas vraiment une sanction, cette information qui est tombée dans la soirée, là c'est tombé vers 21h, le communiqué de l'Olympique Lyonnais sur les blessures de Memphis Depay et de Jeffrey Adelaide. Je pense qu'on va le voir le communiqué de l'OL qui annonce tout simplement une rupture du ligament antérieur de gauche pour Memphis Depay. Rupture du ligament croisé antérieur droit pour Jeffrey Adelaide. Date opératoire définie dans les prochains jours pour savoir quand est-ce qu'ils vont se faire opérer. Indisponibilité pas inférieure à 6 mois. On a l'habitude pour les ligaments croisés. Du coup, c'est fin de saison. Hein. C'est fin de saison. Pas d'euro. Dans 6 mois, ça ferait mi-mai, fin mai. C'est peut-être jouable, il peut peut-être être dans le groupe, mais en forme, ça sera certainement impossible. Venir des ligaments juste à temps pour jouer, avoir ses appuis, impossible. Impossible. Déjà, c'est une mauvaise nouvelle qui tombe au plus mauvais moment pour l'OL. Est-ce que, voilà, on va rentrer directement dans le vif du sujet, est-ce que l'OL peut avoir des ambitions sans celui qui lui débloque ces situations, Memphis Depay comme en Ligue des Champions mardi, et sans Jeffrey Adelaide qui montrait de bonnes prestations aussi? Ouais, après tu peux le voir de deux façons, c'est-à-dire que là tu es obligé d'aller au mercato, et heureusement que tu as une fenêtre du mercato qui s'ouvre à toi, donc tu peux aller compenser ces blessures-là, parce que c'est des choix qui sont dictés, qui sont obligatoires, donc qui sont forcés. Tu peux aller regarder au niveau de la caisse, donc quand tu vends tous ces joueurs-là et que tu as
as construit ton stade qui te permet d'avoir beaucoup de revenus aujourd'hui, qui a un standing niveau européen, dont tu te vantes si tu es au LAS. Donc tu peux, je pense, au niveau des caisses, essayer d'aller prendre quelques monnaies et aller acheter quelques joueurs sur le marché des transferts pour essayer de pallier à ces absences-là. Maintenant, c'est sûr que Memphis Depay, c'est ton leader au-delà. Moi, je le critique souvent, mais ça reste ton étincelle véritablement depuis le départ de Nabil Fekir. Offensivement, c'est lui qui peut te faire des différences. Et moi-même, je vais au-delà du fait qu'il soit décisif offensivement et techniquement. C'est le fait qu'il soit un leader mental pour l'équipe. C'est-à-dire qu'il arrive à attirer tout le monde dans son mood et attirer tout le monde vers son chemin. On l'a vu sur le match face à Leipzig. La première mi-temps, elle est totalement ratée. Lui, il rentre rapidement au vestiaire. On voit ce geste qu'il fait et il remobilise tout le monde. Il revient sur le terrain. Il y croit jusqu'au bout. C'est-à-dire que c'est un compétiteur. C'est quelqu'un qui, lui, a été dans des gros vestiaires comme Manchester United, donc il sait c'est quoi se battre jusqu'au bout, c'est quoi gagner dans un effectif aussi jeune qu'est Lyon et où des joueurs sont en manque de repères, où il n'y a pas véritablement de leader. Tu as besoin d'avoir sur le terrain comme ça, même si Lopez il est un petit peu discuté, d'accord, mais Memphis Depay c'est le joueur autour duquel il y a un consensus, il y a unanimité. Donc le perdre sur le terrain aujourd'hui, c'est limite perdre un petit peu ta boussole et perdre ton guide sur le terrain. Adelaide, forcément, c'est une très bonne recrue et offensivement il montrait des choses intéressantes, même si parfois les choix de Rudy Garcia n'étaient pas compréhensibles à son égard, notamment le fait de le sortir parfois ou de pas le faire débuter face à je dirais Salzbourg, mais plutôt Leipzig en Ligue des Champions. C'est sûr qu'aujourd'hui tu as deux grosses pertes et comme le disait Yanis tout à l'heure, Yacine, déjà qu'ils étaient là, c'était compliqué de voir un semblant de collectif et un jeu parfaitement huilé avec une idée, un schéma de jeu totalement travaillé et établi par Garcia. Maintenant que ces individualités-là se diminuent, parce que Aouar, on sait que c'est un intermittent du spectacle, je suis désolé de le dire, même si les Lyonnais pensent qu'il vaut aujourd'hui un ballon d'or et qu'il vaut 70 millions. Il n'a pas eu la même récurrence, oui, cette malheureusement, saison dans les performances. Face à Benfica, on l'a vu, il a fait un match exceptionnel. S'il répète ça, ce qu'on lui demande, c'est de répéter ça sur 3, 4, 5 matchs. Il peut avoir un match où il est en dedans, où il n'est pas bon. Mais malheureusement, avec Aouar, c'est un bon match, un demi-bon match et un mauvais match. Deux mauvais matchs, ensuite, voilà, tu ne peux pas tenir comme ça. Et si aujourd'hui, tu perds Memphis Depay sur cette blessure-là, Reina Adelaide, c'est sûr que tu as minimum 30% de ton potentiel offensif que tu perds. On va d'abord parler de Memphis Depay. On va voir la fiche de sa saison parce que c'est vrai que il est important pour l'OL depuis le début de la saison. 14 buts en 18 matchs joués. Il est impliqué toutes les 90 minutes, donc une fois par match, que ce soit en but ou en passe décisive. Après le marasme aussi de l'après-match de Leipzig, celui qui est ressorti grandi, c'était aussi Memphis Depay, pour ses qualités notamment mentales, pour le cœur qu'il avait mis dans les altercations qu'il y a eu avec les supporters. Ça va être une perte sur le terrain et mentalement, tu penses, pour l'OL ? Mais je pense que oui, parce qu'en fait, cette semaine, je pense qu'il avait marqué des points. C'est-à-dire qu'en fait, on ne s'attendait pas, mais il a un peu surpris tout le monde dans l'attitude qu'il a eue, dans la façon d'aller se mettre devant les médias pour dire qu'il n'était pas d'accord avec ce qui s'était passé quand il a défendu Marcelo. Et en fait, je pense qu'il était en train de vraiment montrer quelque chose de différent. Et je pense que les joueurs, ils l'ont senti et je pense qu'ils étaient prêts à aller derrière lui. Et là ça les casse, parce que finalement, ça aura duré 5 jours. Et c'est un problème. Mais juste revenir, alors sans revenir sur les événements de la semaine, je pense que les Lyonnais, je parle des dirigeants, etc. Il faut qu'ils travaillent sur l'environnement parce que deux blessures comme ça qui arrivent cette semaine, il n'y a rien d'anodin dans le football. Un footballeur, il marche à 90% dans la tête. Et si les deux blessures... Tu penses qu'il y a un lien de cause à effet entre ce qui s'est passé La fatigue nerveuse, c'est important. Ouais, et automatiquement, tu es moins sur tes appuis, tu es moins bien, voilà. Et alors sans incriminer les supporters ou les dirigeants, tu penses que l'environnement général fait que... Depay, il est vraiment énervé après le match de mardi soir. Il est au bord des larmes. D'abord, il en parle, il dit « ouais, ça me rappelle mon passé, je veux pas redevenir comme ça ». Donc il est vraiment énervé. Et Jeffrey Nadalit, c'est un jeune joueur. Donc je pense qu'il y a eu des choses qui sont sorties du vestiaire après, que les joueurs étaient très touchés, certains énervés, d'autres très touchés, blessés, ils avaient presque peur. C'est pas anodin ce qui arrive. Parce que malgré tout, ça peut s'expliquer dans le sens où tu dors mal parce que tu es pris mentalement, tu es moins en forme pendant les matchs. Mal et t'as aussi cette frustration-là, t'es énervé de voir tes propres supporters. C'est quelque chose qui joue énormément sur un professionnel, parce que pour être à 100% et pour être sûr de ton rendement sur le terrain et que le corps puisse suivre derrière, t'as besoin dans ta tête, dans ta faculté mentale et spirituelle, d'être déjà
au top et au zénith, c'est-à-dire de ne pas penser à autre chose. Et dès que tu hésites et tu penses à autre chose, l'environnement il est pourri, tout ce qui se fait à hauteur, c'est pour ça on dit, maintenant tu peux ne pas être content quand tu es supporter, on peut le comprendre, tu peux l'afficher, tu peux le chanter, tu peux vider les virages, tu peux ne pas venir, tu peux faire beaucoup de choses, mais aller t'en prendre comme ça sur le terrain, vouloir en découdre, créer un environnement, alors qu'aujourd'hui Memphis Depay, c'est ton capitaine. Alors c'était pas contre leader. Memphis Depay, hein, l'environnement. Moi je suis désolé. Souvent on dit que les footballeurs sont pas unis. Pour une fois on a vu des footballeurs unis et moi j'ai adoré l'attitude de Memphis Depay. Dieu sait combien de fois je le déteste, combien de fois je l'incrimine souvent dans ses performances. J'attends beaucoup plus de lui parce que quand on a connu le Memphis de PSV qui est venu à Manchester, qui a fait un petit peu de bien au début, qui ensuite a disparu, est venu à Lyon, fait ses interviews, je veux partir ailleurs, je veux plus que ça soit un club tremplin. Enfin moi j'attends beaucoup plus de Memphis, même s'il a ces statistiques-là, pour moi, c'est un top joueur mondial. Après Neymar, Mbappé, en Ligue 1, je pense qu'on n'a pas de qualité de la part comme Memphis Depay dans cette Ligue 1-là. Donc, je le mets à ce niveau-là. J'ai envie qu'il donne des résultats comme ça. Maintenant, si les supporters créent cette ambiance autour, il y a un joueur qui n'est pas bon. Moi, je veux juste rappeler rapidement Marcelo, cette histoire qui s'est passée. Tous les supporters lyonnais applaudissaient lorsque Marcelo a été acheté, lorsqu'il était au Beşiktaş, c'est que Lyon l'avait rencontré sur, sur la première saison. Voilà, à un moment donné, il faut arrêter cette amnésie. Le mec, il a rendu service, il a été pas mal. Aujourd'hui, un collectif qui ne tourne pas vraiment, aller dessiner un âne, se moquer. Les gens pensent que la gratuité, se moquer gratuitement, être méchant, ça n'atteint pas les gens. Marcelo, il a réagi. Il a une façon de réagir qui est particulière, qui est différente. Moi, j'ai adoré l'attitude de Memphis qui s'est mis devant du groupe. Il a le brassard, il a protégé tout le monde. Et moi, l'état dans lequel je l'ai vu, je suis complètement d'accord avec Yacine, il était limite au bord des larmes. Tu ne peux pas créer cette atmosphère-là. Il pleure même. Il y a eu des images de RMC Sport qui ont montré qu'il pleure même sur le terrain. Il parle, il s'arrête, il se retient de pleurer devant la télé. Tu ne peux pas, un supporter de ton équipe, créer cet environnement-là, même si l'attitude et la façon dont les joueurs se sont qualifiés, tu peux le respecter, tu peux le remettre en cause, mais venir jusqu'à contester tes joueurs sur le terrain, t'opposer en face à face, limite aller dans la bagarre, bah ça crée un environnement qui est nauséabond, qui est totalement pas propice à produire un football et à concentrer les acteurs que tu as. On ne dit pas que ces blessures-là, c'est forcément ça, parce qu'on va nous dire que oui, Olas nous a contaminés, c'est à cause des supporters que tout va mal à Lyon. Et puis je vais pour aller dans le prolongement de ce que vous dites, je pense que vous êtes d'accord pour dire que les torts ne sont pas exclusivement dus aux supporters qui vont faire ces moments-là, mais aussi toute une gestion de la situation, et notamment par l'institution lyonnaise qui n'a pas été bien gérée. Donc ce n'est pas la faute que des supporters. On va mettre l'aspect mental de côté, Dominique, on va passer véritablement au terrain. J'aimerais qu'on voit les statistiques de Lyon avec et sans Memphis, parce que mine de rien, comme nous l'a dit, je ne sais plus qui c'est qui nous le dit sur le chat, mais Memphis, c'est pas la première fois qu'il se blesse depuis que Rudy Garcia est arrivé. C'est aussi un aspect dont on parlera par la suite. Il y a eu un tiers de moins de matchs sans Memphis. On passe quand même de 1,1 but marqué par match quand il n'est pas là à 1,6 quand il est là. Plus que par les situations qu'il débloque individuellement comme face à Leipzig, il aide ses partenaires à faire en sorte que la situation soit beaucoup plus facile, Memphis Depay sur le terrain. Oui, il aide ses partenaires et surtout je pense que ses coéquipiers, une fois que lui est sur le terrain, ça les libère aussi un petit peu. Ils savent que ce joueur-là est capable d'assumer la responsabilité offensive, même si Dembélé est plus dans le rôle de buteur, mais dans la participation au jeu est un peu inférieur par rapport à Depay. Lui, c'est un joueur qui ne compte pas sa dépense, qui répond présent maintenant, il est capitaine. Il y a aussi cette responsabilité mentale sur le groupe qui rejaillit aussi sur ses coéquipiers. Parce qu'on voit très bien que quand ce joueur-là est sur le terrain, je ne veux pas dire que l'état d'esprit change du côté de Lyon, mais il y a quand même une amélioration et on voit que lui est capable d'assumer ce rôle de leader que Lyon a perdu peut-être avec des joueurs qui sont partis la saison dernière, notamment comme Fekir. Et avec ou sans lui, il y a une vraie différence dans le jeu lyonnais aujourd'hui, dans la création, dans la cohésion, dans l'esprit mental. Parce que sur le jeu, oui, c'est lui qui prend ses responsabilités. On ne va pas dire que le jeu est flamboyant avec lui et qu'il n'est pas bon quand il n'est pas là, parce que le jeu n'est pas flamboyant du côté de Lyon cette saison. Mais quand il est présent sur le terrain, tu sens quand même que les joueurs sont beaucoup plus en confiance et que ce joueur-là peut faire les différences. Aujourd'hui, sans ton point fort, sans ton point d'ancrage offensif et sans ton leader mental et technique sur le terrain, ça me paraît très compliqué sur la suite de la saison pour Lyon. Alors, il y a quelque chose peut-être à prendre en compte dans ces blessures. Alors, ce sont des blessures, des ruptures de ligaments croisés, donc c'est un peu compliqué de dire à quoi c'est dû. Peut-être la fatigue mentale, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais pas que. Ce ne sont pas des blessures musculaires qui viendraient parce qu'on s'est mal chauffé, parce qu'on est sorti la veille. J'aimerais qu'on voit la liste des blessures notables de l'Olympique lyonnais depuis le début de la saison. On les a listées par joueurs. On a eu Marçal qui était absent en début de saison, qui est revenu début septembre.
On a eu Oussem Aouar qui a été absent pendant 15 jours. On a Youssouf Koné, pardon, qui est toujours blessé, qui est blessé depuis le 6 décembre, qui reviendra en 2020. Dubois est blessé depuis le 30 novembre, il reviendra en janvier 2020. Et on a maintenant Jeffrey Nedelaïd et Memphis Depay qui en ont pour plus de 6 mois. Le point commun entre Depay, Reine Adélaïde, Dubois, Koné et Aouar, c'est qu'ils ont été blessés depuis l'arrivée de Rudy Garcia et notamment du nouveau préparateur physique, Paolo Rongoni, je ne sais pas comment on le prononce. Préparateur physique qu'il avait du côté de l'AS Roma, qui était un peu critiqué du côté de l'AS Roma, qu'il avait à Marseille, qui était aussi un peu critiqué à Marseille. Quand il est arrivé, Rudy Garcia a mis le doigt, je crois, sur la préparation d'été de l'Olympique Lyonnais. C'est ça qui explique toutes les blessures en cascade qu'on a eues depuis maintenant un mois et demi, deux mois. Il n'y a pas que ça. Encore une fois, c'est aussi tout ce qui se passe. Lyon n'a pas l'habitude de vivre des débuts de saison comme ça, même s'ils ont eu des fois des moments où la première partie de saison elle était moins bonne, mais jamais au point de se retrouver 14e, 15e sans gagner de match. Donc, évidemment que le mental, encore une fois, il rentre en ligne de compte. Mais la préparation physique, le problème, c'est que quand on reprend une équipe en cours de route, chacun a sa façon de travailler. Et les charges de travail, la méthode de travail, c'est pas les mêmes. Donc à partir de là, si Garcia, il est reparti à zéro en se disant « maintenant on travaille comme je veux », il y a eu quand même 3 mois de compétition avant, 3 mois avec la préparation, etc. Donc tu peux pas travailler comme tu veux à ce moment-là. Le joueur, il a déjà emmagasiné certaines choses. Donc si tu casses ce truc-là, en fait, t'es obligé de t'adapter à ce qui a déjà été fait. Voilà, au moins jusqu'à la trêve. Et après, peut-être à la trêve, repartir sur quelque chose de plus proche de ce que tu fais. Mais parce que chaque entraîneur, il y a des entraîneurs qui aiment bien faire une grosse, les Italiens le font souvent, une grosse charge de travail en début de saison. Il y en a d'autres qui sont... beaucoup de blessés d'ailleurs à ce moment-là, de la saison dans tous les clubs. Les Portugais, ils sont plus dans le jeu avec ballon, ils sont tout le temps dans le rythme avec ballon, donc c'est une autre préparation. Si toi, t'arrives au milieu de ça et que tu fais l'inverse, tu mets ton joueur en danger, c'est obligatoire. Donc, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Après moi, je ne veux pas dire non. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Il y a le préparateur physique, ça c'est clair et net, puisque de toute façon, c'est lui qui doit aussi gérer les charges de travail. Je pense qu'il y a les joueurs qui ne doivent peut-être pas tout faire non plus. Il y a l'état d'esprit, il y a le mental qui rentre en ligne de compte. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de s'accumuler. Voilà, après on le voit, c'est pas non plus, enfin ils battent pas le nombre de blessés qu'il y a eu au PSG depuis le début. Alors PSG, il y a pas de grosses. On a l'impression qu'au PSG ça a plus été dès qu'il y a un petit pépin, on ne prend pas de risque et on met de côté. Voilà. C'est déjà Herrera par exemple, ça fait quand même deux fois 4, 5, 6 semaines qu'il est absent. Gay, ça va faire là, il rejoue plus du mois de décembre. Enfin, je veux dire, eux aussi, ils accumulent. Kimpembe aussi a eu des blessures. Ce qu'il dit intéressant, parce que eux déjà ils savent gérer, parce qu'ils ont, on va se dire, un staff beaucoup plus complet et ils. Parle du PSG quand tu dis eux. Du PSG, eux, ils peuvent gérer. Et ils ont le banc pour. C'est-à-dire qu'ils vont pas essayer de trop tirer sur le joueur. Tu peux sortir Gay facilement, Herrera. Tu peux essayer d'échanger un petit peu parce que t'as un banc beaucoup plus fourni et ce que n'a pas Lyon parce que t'as que des jeunes. Moi, quand je dis. Et puis dans la grande majorité des matchs que tu as, t'as pas une pression extraordinaire puisque en Ligue 1 t'es plutôt tranquille, tu peux te permettre de gérer les organismes d'une façon que Lyon ne peut pas s'en permettre, parce qu'aujourd'hui quand tu sors des joueurs lyonnais sur le terrain, le 11 ou 12 13 joueurs, tu peux rentrer t'as pas les cracks à rentrer, t'as que des jeunes qui sortent du centre de formation à rentrer, et quand t'es dans une exigence et dans une urgence du résultat, tu ne peux pas te permettre d'avoir la même gestion d'effectifs et d'organismes à Lyon et du côté du PSG. Et moi je pense que ça ressort un petit peu parce que c'est Garcia, faut toujours essayer de trouver le petit truc qui va pas avec Rudy Garcia. Il y a trop de blessés depuis qu'il est là, il y a trop de blessés à l'Inter aussi depuis que Conte est là. J'ai pas vu un supporter de l'Inter essayer de ramener la. Parce que les résultats suivent. Parce que les résultats suivent. Donc on va dire que vu que les résultats sont pas là et que le mec, on sait comment il est apprécié du côté de Lyon, même si aujourd'hui le jardinier se blesse, on va dire que c'est parce que depuis que Rudy Garcia est là, la pelouse, quand on essaie de l'attendre, le jardinier, il essaie de se blesser. Donc on connaît un petit peu comment ça marche avec les gens qu'on ne veut pas sentir. Mais ça, c'est un petit peu dommage pour lui parce qu'aujourd'hui il vient, il arrive à qualifier Lyon dans des situations. Qu'on connaît tous, qui sont peut-être pas souhaitables, mais l'essentiel, surtout pour Jean-Michel Aulas, qui est au-dessus de cette institution-là, c'est la qualification et c'est la gestion d'épicier qu'il a entamé depuis un moment et essayer de placer le PSG comme étant le grand méchant qui est venu inonder la Ligue 1 avec son argent. Et aujourd'hui, tu perds Memphis Depay. Tout à l'heure, vous étiez en train de dire les bienfaits, j'ai vu les statistiques là-dessus, quand il est là, quand il n'est pas là. C'est un joueur qui, moi, ces derniers temps, depuis 2-3 mois, je le trouve très régulier. Avant, c'est ce que je critiquais chez lui, et aujourd'hui, sur les 2-3 mois, il est très régulier. Tu prends n'importe quel match, le déplacement à Toulouse où tu gagnes 3-2. Je pense où il te fait en doublé, le match face à Metz, je pense où il met un but sur le 2-0, le match face à Benfica, même si on a beaucoup parlé de Oussem Aouar, il te met
un but également. Donc il est là dans les moments importants de Lyon. De toute façon, quand tu mets 14 buts en 18 matchs, voilà, c'est que t'as été avant le problème qu'on pouvait essayer un petit peu de taxer à Memphis ou de lui reprocher un petit peu, c'est son irrégularité. On a tous vu les saisons dernières où il s'entêtait. Je l'ai trouvé beaucoup plus mature cette saison, où les saisons dernières il était beaucoup plus dans une situation individualiste, où il voulait un petit peu forcer le geste de trop, où il voulait forcément que ça soit la lumière soit sur lui, que ça soit le Memphis un petit peu qui se met en avant dans ses clips et tout, qui veut se mettre en avant sur le terrain. Aujourd'hui, il a compris que ça peut passer par autre chose, ça peut passer par un collectif, ça peut passer par un dédoublement, par un travail qu'il fait avec l'ensemble du secteur offensif, et ça ne lui enlève pas de qualité pour autant, ça ne lui fait pas baisser ses statistiques pour autant. Aujourd'hui, il a des statistiques qui sont très respectables, qui sont au niveau de son talent et ce qu'il peut apporter à cette équipe de Lyon. C'est vraiment dommage, et aujourd'hui, moi, je rejoins totalement ce que Yacine dit. Il y a un problème d'environnement. Il y a un problème d'environnement autour de cette équipe-là. Et les joueurs, forcément, à un moment donné, ils craquent, ils coulent. Sur le chat, il y a The Misery Guitarist qui nous dit que ce n'est pas de l'acharnement, c'est juste qu'il n'y a eu aucune blessure grave pendant 3 ans avant l'arrivée de Rangoni. Alors, c'est vrai que quand tu le mets dans cette perspective, l'année dernière, il y a que Fekir qui se blesse un mois. Sinon, il n'y a pas de gros pépin. Il y a une chose aussi qu'il faut rajouter sur l'absence de Depay. Pourquoi elle va être importante? Parce qu'il ne faut pas oublier. Là, on parle de ce qu'elle apporte à Lyon. Mais quand vous avez Depay sur le terrain, l'équipe adverse, elle ne peut pas jouer de la même façon. Elle est obligée d'être plus attentive à lui. C'est-à-dire, alors je vais peut-être paraître dur, mais que ce soit Depay ou Terrier, l'équipe adverse, elle ne défend pas de la même façon. Parce que Terrier, il n'a pas l'image de Depay, il n'a pas les qualités de Depay. Pas le niveau. Voilà, donc à un moment donné... Il dégage pas la même peur. Voilà, donc c'est ce qu'il apporte aussi en termes de peur chez les adversaires. Donc là, avec Depay en moins, et Ren Adelaïde qui apportait offensivement, est-ce que les équipes adverses, en plus... du fait que Lyon va être un peu moins bien, les équipes adverses, elles vont dire, il y a moins de danger encore devant. Donc, est-ce qu'on ne peut pas plus se lâcher et aller leur faire mal, quoi. On va voir, du coup, Dominique, la composition probable de l'OL pour 2020, ce qui reste dans l'effectif lyonnais. Alors, on a fait sans Memphis, sans Jeffrey Nelaïne, on a fait aussi sans Youssouf Koné et Dubois, qui ne sont pas encore remis. Donc, ça donne Anthony Lopez dans les buts. La charnière de Neuer Andersen, puisque apparemment Marcelo, pour 2020, ça sera pas ça. Kenny Tété à droite, Raphaël à gauche, parce que c'est ce qui est privilégié par Garcia pour le moment. Touzard en sentinelle avec Thiago Mendes et Oussem Aouar. Et un trio Martin Terrier, Bertrand Traoré, Moussa Dembélé. On a Maxwell Cornet qui peut venir aussi dans la rotation. Et du coup, se pose la question de l'objectif de l'OL. L'objectif de l'OL, c'est la qualification pour la Ligue des Champions tous les ans. Est-ce que avec cette composition-là, cette profondeur d'effectif qu'il reste, tu vois l'OL pouvoir mener à bien cet objectif-là jusqu'à la fin de saison, Dominique? Sur ce qu'ils nous ont montré depuis le début de saison, non. Parce que quand ces joueurs-là étaient alignés, les résultats n'étaient pas bons. On sait qu'un Traoré est intermittent et très irrégulier dans ses prestations. Il n'est pas assez décisif. On sent un Terrier du côté de Lyon. Peut-être que pour moi, le costume lyonnais est trop grand pour lui. C'est un très bon joueur, mais je ne pense pas que pour... C'est un bon joueur de Ligue 1, mais pour aller plus haut... Pour aller plus haut, ça me paraît très compliqué sur ce qu'il nous a montré, en tout cas cette saison, du moins pour moi. C'est mon avis, il n'a pas les épaules assez solides. Et tu vois aussi au niveau des latéraux, on connaît l'importance aujourd'hui des latéraux dans un jeu offensif. Et que ce soit Raphaël à gauche, on sait très bien que déjà à droite, c'est un peu difficile, mais à gauche, les rares matchs qu'il a pu faire, il n'a jamais été très performant. Et Tété, c'est un remplaçant de Dubois. C'est même le troisième remplaçant, puisque normalement, Raphaël est le remplaçant de Dubois. Donc c'est pour te dire que là, tu joues vraiment, tu fais des... c'est un casse-tête chinois pour Rudy Garcia. Alors il va faire avec les armes qu'il a, avec les blessés qu'il peut avoir dans son effectif, mais aujourd'hui avec ce 11 probable, cette équipe-là n'est pas taillée pour atteindre la Ligue des Champions, même si le classement de Ligue 1 peut leur permettre d'espérer, parce que c'est très resserré entre la deuxième et on va dire la deuxième place. Et encore la deuxième, Marseille commence un petit peu à s'échapper. Ils prennent déjà un peu d'avance, mais effectivement sur ce 11 aujourd'hui, moi je ne les vois pas vraiment aller beaucoup plus loin, surtout sur ce qu'ils nous ont montré depuis le début de saison, parce qu'on ne part pas d'une page vierge. Ils nous ont déjà montré avec cet effectif-là ce que ça donne et ça ne donnait pas grand chose. Donc aujourd'hui, si tu les installes comme titulaires et que tu n'as personne derrière pour pouvoir les remplacer, l'effectif pour moi est trop léger. C'est la question du soir, les socios, vous pouvez y répondre dans le chat et dans les commentaires, n'hésitez pas à nous donner votre avis. Après ces blessures, l'OL peut-il viser le podium en Ligue 1? Je vous prends quelques réactions. Il y a The Benz 7 qui nous dit, tu peux terminer dans le top 3, top 5 de cette Ligue 1, dans une Ligue 1 si faible avec cet effectif-là. Le 11, à la limite, peut-être, pourquoi pas, même s'il ne nous l'a pas montré depuis le début de la saison.
avec le manque de profondeur qu'il va y avoir, ça va devenir quand même compliqué pour l'OM. C'est quoi ton avis là-dessus? Encore une fois, on revient au fait de se reposer sur la faiblesse de la Ligue 1 plutôt que de voir les forces que nous, on peut multiplier pour essayer de logiquement attraper une place qualificative en Ligue des Champions. Et de toute façon, même la saison dernière, quand l'effectif était au complet et qu'il y avait de très bons joueurs, Lyon a eu du mal à accrocher ce podium-là. Ça a été un petit peu la musique de Lyon ces derniers temps, mis à part la première partie de saison de Bruno Genesio, il a accroché cette deuxième place. Donc ils sont un petit peu habitués à ça quand ils avaient un effectif beaucoup plus fourni et beaucoup plus calibré. Là, tu perds quand même des joueurs de qualité, sans compter ceux qui sont déjà partis l'été dernier, qui pour moi sont des pertes qui n'ont pas été remplacées, ça faut pas l'oublier. Ndombele et Fekir, ça reste des joueurs qui n'ont pas du tout été remplacés, même si Adelaide, il a été intéressant dans son rôle, et même si... L'entre-deux, entre le Fekir et le Ndombele, et puis il a pas assez joué malheureusement. Tu les as malheureusement pas remplacés, et Olas le disait récemment, si Aouar vient dans quelques années vouloir partir au Real, je vais pas refuser. Donc t'es rentré tu as transformé Lyon en sorte de tunnel pour aller dans des grands clubs, juste pour des jeunes qui viennent de sortir du centre il y a une ou deux ou trois saisons. Sur le 11 que tu viens de sortir tout à l'heure, il n'y a aucune valeur sûre. Dembélé, il essaie tant bien que mal de s'imposer en Ligue 1. On sait qu'il n'est pas forcément adroit, mais il essaie, a du relais. C'était une valeur sûre en début de saison. Ça va moins bien depuis un mois et demi, deux mois, mais c'était... La preuve que ce n'est pas une valeur sûre. La saison dernière également, c'était un joueur qui essaie de trouver sa place. On l'a vu très intéressant du côté de Celtic. Dans les combinaisons, il est là. Mais encore une fois, on ne sait pas actuellement avec qui il peut très bien aller en attaque, avec qui ça peut très bien marcher. Avec Fekir, ça a été coussi-coussa. Parfois, ça marchait, parfois, ça ne marchait pas. Avec Dembélé, la même chose. Aouar, aujourd'hui, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est également un intermittent. Touzard, quelques fois il peut te sortir de bons matchs en sentinelle, mais la plupart du temps c'est catastrophique parce que malheureusement il ne peut pas accélérer le jeu et il ne peut pas dicter le tempo de match de l'OL. Mendes, ça reste également une déception depuis qu'il est du côté de Lyon. Donc voilà, et tout ça ajouté à ce qu'on disait depuis tout à l'heure avec l'environnement qui s'est créé autour, si réellement tu ne vas pas au mercato d'hiver essayer de choper un leader, au moins un ou deux joueurs qui peuvent t'apporter un vent nouveau, un souffle nouveau, un discours nouveau, ou en tout cas stimuler les joueurs d'une autre façon pour qu'ils essaient de prendre confiance et repartir sur un autre projet, parce que là j'ai l'impression qu'il n'y a pas de projet. C'est débrouillez-vous les gars, Garcia il est là en essayant de tirer le maximum, mais on va se reposer sur la faiblesse de la Ligue 1. Et moi je suis désolé, le nombre de matchs depuis que Garcia est là que Lyon n'a pas, c'est même pas depuis que Garcia est là, parce que moi je veux bien qu'on taille Garcia, mais moi je préfère ce que je vois entre guillemets en ce moment que le non-football que proposait Silvio à un moment donné. Après les 2-3 premiers matchs de Silvinho où tout le monde nous vendait que c'est le génie qui vient d'Amérique du Sud qui va révolutionner Lyon après Genesio, il a eu deux très bons matchs depuis le début. Après ça, moi j'ai vu un Lyon, j'avais jamais vu un Lyon venir baisser la culotte devant le PSG, jouer à 9 derrière et envoyer des parpaings devant à Dembélé. J'avais jamais vu sur les derniers temps. Il y a eu ça aussi contre Saint-Etienne. Donc, il essaie au moins un petit peu Garcia avec ce qu'il a dans la boutique, avec l'environnement qu'il a, mais on sait très bien que c'est pas un monsieur qui va développer le football. On sait très bien que c'est pas un monsieur qui va créer des automatismes avec du jeu léché comme on le veut à Lyon. J'ai l'impression qu'aujourd'hui à Lyon, il y a un environnement, il y a une incompréhension. C'est-à-dire que les supporters pensent vraiment que Lyon est un grand club, donc ils doivent avoir un grand coach et ils ont des top joueurs, parce que quand tu les écoutes, Aouar c'est limite Valverde, Fede Valverde. Donc j'ai l'impression qu'ils sont dans ce monde là et la réalité les rattrape sur le terrain en disant bah non, tes mecs c'est des intermittents du spectacle. Mais non, je ne dis pas que s'il y a un top coach qui vient, il ne peut pas les faire travailler comme on le voit souvent. Les jeunes joueurs français, quand ils partent à l'étranger, moi j'ai eu la chance de discuter avec beaucoup, Pléa, Thuram, Mbolo à Gladbach, que ce soit Guilavogui à Wolfsburg, quand tu parles avec eux, tu sens qu'ils ont une autre mentalité quand ils sortent de la France. Alors est-ce que c'est les coachs qui les apportent? Est-ce que c'est le fait d'être loin du pays? Est-ce que c'est le fait de vouloir trop se vendre pour aller dans un autre top club? Ça reste un éternel débat qu'on va poser. Mais moi, je suis désolé, aujourd'hui à Lyon, Depay te le dit, Aouar te le dit, tous les joueurs te disent, Lyon, ça reste un tremplin. Et donc, c'est quoi un tremplin? C'est un club qui reste sur un bon coup, deux bons coups, mais qui ne va pas s'éterniser. Qui n'a pas une ambition. Tes joueurs même te le disent. Yacine, pour prendre ton avis, pour terminer sur l'OL, est-ce que tu les vois remonter et essayer d'accrocher le podium? Sur le chat, ce qui revient, c'est qu'il faudrait un mercato ambitieux. El Maghrébin qui fait une veine et qui dit il y a Ben Arfa qui est libre s'ils veulent. Mais sans mercato, il ne peut pas y avoir d'ambition de podium pour l'OL. De toute façon. Et la Ligue des Champions, on la laisse tirage au sort demain midi. Mais est-ce qu'on la laisse complètement de côté? Vu les adversaires possibles, de toute façon, même avec tout le monde, ça aurait été compliqué. Mais là, je vois pas comment ce serait possible. Après, ça reste du football, hein, il peut tout arriver. Mais les U20 de Manchester m'ont fait très mal l'année dernière, donc tout est possible. Hein. Non, je pense qu'il y a aussi un truc qu'on oublie sur les dernières années, c'est que en fait, on parle souvent de la formation lyonnaise, mais en fait, les dernières années, ils sont où les joueurs formés à Lyon?
dans le 11, on a Aouar, Touzard peut-être il y a quelques années. Mais sinon, non, mais Touzard, il arrive en fin de formation. C'est-à-dire qu'il arrive, il a déjà 19-20 ans. C'est vrai. Donc, et en fait, quand on repense un peu aux périodes lyonnaises, alors après Juninho, après la grosse période, qui a tenu le club en fait? Les Lacazette, les Umtiti, les Fekir, en fait, c'est des gens qui étaient imprégnés du club. Voilà, Gonalon, c'était le capitaine. Ouais. Aujourd'hui, ils sont où ces joueurs? Donc en fait, il n'y a plus d'identité. Il y a des joueurs qui viennent prendre un contrat, qui viennent parce que Lyon, ils font la Ligue des Champions régulièrement, donc ils vont rebondir. Mais il n'y a plus du tout d'identité, en fait. Et les jeunes joueurs, d'ailleurs, on ne les voit plus. Donc, ils sont souvent réclamés par les supporters lyonnais, hein, que voilà, ce soit Maxence Cracré. C'est pour ça qu'il y a aussi une grosse hype autour des jeunes talents comme Rayan Cherki, Maxence Cracré. On a Melvin Barre aussi, arrière-gauche. Revenir sur le travail, je pense que là où Lyon s'est trompé, c'est qu'en fait, la deuxième et troisième place de la Ligue 1, elle a masqué les carences. Et on s'est contenté de ça, en gros. Je suis en Ligue des Champions, c'est qu'on a fait le travail. Mais non, c'était pas ça qu'il fallait. Le résultat. Auquel la Ligue des Champions, tant mieux, on y est. Mais par contre, il va falloir comment on y a de façon travailler, comment y rester, comment faire des résultats. Voilà, et le problème, il est là. C'est aujourd'hui, voilà. Alors, on nous a vendu le nouveau stade, ok, mais maintenant, il commence à avoir tourner, des revenus, bon, il commence à être payé. Ce serait dommage d'avoir ce stade-là et de ne pas aller en Ligue des Champions, de ne pas rentabiliser derrière et d'offrir le spectacle. Moi, je suis d'accord avec lui parce que les résultats ont masqué le manque de travail en profondeur qu'il y a dans cette équipe-là. À chaque fois, rappelle-toi de la deuxième partie de saison de Lyon où Traoré a été exceptionnel, c'est il y a 2 ans, je pense, avant pour qu'ils accrochent le podium. Et après, c'est Depay qui avait été très bon pour aller sauver ce podium-là, pour aller l'accrocher. Tu rentres comme ça dans une ligne droite. J'ai l'impression que tu es sur le Tour de France où il faut sprinter. Allez, pas de méthode et tout. Tu sprintes pour essayer d'accrocher cette place-là, avoir les points. Ils ont souvent fait des grosses séries en fin de saison. Exactement ça. Mais le Tour de France, ça se gagne sur la durée. Oui. Voilà. Mais certaines étapes, tu le gagnes. C'est pas le maillot jaune. Tu gagnes le maillot jaune, ça serait le titre. Mais des points pour aller le maillot à points ou des trucs comme ça, ou le maillot sprinter. L'élimination de Lille, elle va leur faire plus de mal. Parce que Lille, maintenant, ils vont être beaucoup plus concentrés et beaucoup plus frais. Et ils ont une idée de jeu. C'est-à-dire qu'ils ont développer quelque chose depuis la semaine dernière. Comme on disait tout à l'heure, ils sont pas très loin finalement du club. Oui, bien sûr. Mais je pense que là, Lille, ils vont enchaîner. Donc ça va faire que déjà, il y a Marseille, Lille. Je pense que ça va être compliqué d'aller chercher le podium. On va voir les résultats et le classement de cette Ligue 1. Ça va être tout pour la Ligue 1. On va parler ensuite de Première Ligue et de Ligue 1. On commence par les résultats. Les résultats de cette 18e journée. On n'a pas pu parler de la victoire du Paris Saint-Germain 4-0 face à Saint-Etienne parce que l'annonce des blessures de Lyon a pris le dessus. Défaite de l'OL aujourd'hui, donc une journée noire pour les Lyonnais face à Rennes. Et puis hier... On a joué à domicile. Hier, effectivement, il n'y a que Lille qui a gagné à domicile pendant cette journée de Ligue 1. Sur le chat, on nous dit parler de l'OM. On a parlé de l'OM, c'est dans l'émission d'hier, après le match nul contre Metz. Ils sont bons, l'OM, en ce moment. On va voir le classement pour se faire une petite idée. L'OL est 8e, 25 points, avec 6 points de moins que le LOSC, qui est 3e. Donc, mathématiquement, il n'y a rien de préjudiciable pour l'Olympique Lyonnais, mais savoir si ils vont pouvoir enchaîner les résultats. On sait que la prochaine journée, c'est le week-end prochain, samedi. Il y a le multiplex avec les 10 matchs en même temps. Vous voyez le reste du classement, hein, Paris devant Marseille et Lille. Et puis on a toujours les mêmes relégables, Metz qui est barragiste et Nîmes et Toulouse qui vont tout droit en Ligue 2. On va parler maintenant de Première Ligue. La Première Ligue avec la démonstration de Manchester City sur la pelouse d'Arsenal. 3-0 pour les Citizens. Début de Kevin De Bruyne, un doublé de Kevin De Bruyne et un but de Sterling. Dominique, 3 buts en 40 minutes. Ça a été réglé assez rapidement. On a envie de retenir la démonstration de City et aussi la très mauvaise prestation d'Arsenal aujourd'hui. Oui, il y a d'un côté une machine qui a été bien huilée, qui s'est mise en route assez rapidement, et en face une faiblesse affligeante, notamment en première période, d'un secteur défensif qui a pris l'eau de toutes parts. Et c'est vrai que cette équipe de City a plié le match rapidement. Alors, sur la première action, Arsenal se procure une belle opportunité. On se dit peut-être que cette équipe va pouvoir mettre un petit peu en danger. Derrière, ils encaissent ce but rapidement et ils plongent. Et c'est ça qui fait peur et qui est inquiétant du côté d'Arsenal. C'est qu'à partir du premier but, tu n'as pas eu de réaction, tu n'as pas eu un esprit de révolte de la part des joueurs d'Arsenal. Et City en a profité et a plié le match en première période. En mettant, je ne vais pas dire une maîtrise collective, mais vraiment en mettant des attaques placées qui ont fait très mal à la défense des Gunners, qui n'ont jamais su répondre présent. Et aujourd'hui, on a vu
j'ai envie de dire une équipe, je crois que c'est Evra qui dit ça, une équipe d'enfants contre une équipe d'adultes. Mm. Et là, c'était vraiment le cas, c'était du côté d'Arsenal, les joueurs étaient perdus, il n'y avait pas d'idée de jeu. Et j'espère pour eux que ça va changer avec la nomination d'un nouvel entraîneur. Mais en tout cas, sur cette rencontre-là, on a vu un City qui a su voilà, maîtriser le match de bout en bout, ne jamais avoir peur de cette équipe d'Arsenal et une équipe des Gunners qui n'a jamais su réagir. Alpha, je lis tes tweets. Qui sont très intéressants. Et toi, ce qui t'a choqué, c'est vraiment le manque d'envie des joueurs d'Arsenal aujourd'hui face à City. Carrément, il y avait vraiment une classe d'écart entre les deux équipes. Dès que ça a commencé, on a directement vu. Alors, Arsenal aurait pu, moi je pense que le momentum, même si c'est très rapide de dire ça, parce que c'était juste le début du match. Ouais, très furtif, ça arrive très vite et ça repart tout aussi vite. Hein. Directement, Martinelli aurait pu transformer cette opportunité, qui aurait peut-être mis Arsenal sur les bons rails, essayer de tenir tête un petit peu à City, de les faire trembler un petit peu. On sait que récemment, notamment face au gros en Première Ligue, même si est-ce qu'aujourd'hui il faut considérer Arsenal comme gros depuis un petit moment, ce qui se passe avec ce club-là, c'est, je ne sais pas, mais en tout cas dans les grosses affiches, City a montré des lacunes, que ça soit face à Liverpool, notamment avec ce milieu de terrain où Rodrigo qui a énormément de mal dans l'entrejeu, même s'il a été bon face à Brighton. C'était West Ham. C'est West Ham, je crois. Le match qu'il joue. West Ham ou Watford, je sais plus. Burnley, plutôt en semaine, il a été très intéressant dans ce rôle-là. On l'avait vu totalement dépassé face à Manchester United, les espaces qu'il laissait dans son dos, le fait que Manchester City avait totalement perdu son football, n'arrivait pas à fixer et renverser. Aujourd'hui, on a vu une belle équipe de Manchester United qui était pour moi en répétition avant les matchs difficiles qu'il attend dès le 8e de finale, notamment de Ligue des Champions. Arsenal faisait preuve d'opposition, tout simplement. Les mecs étaient là, allez, comme souvent, Guardiola le fait dans les entraînements, mets-toi là, mes joueurs, ils vont contrôler comme ça, ils vont essayer de l'enrouler. Kevin De Bruyne, il s'est amusé sur le terrain, il y avait totalement une classe d'écart entre les deux équipes. Maintenant, du côté d'Arsenal, voilà, beaucoup de carences, notamment au milieu de terrain. Moi, j'étais beaucoup déçu. Guendouzi, je l'aime bien, mais il a laissé énormément d'espace dans son dos qui a été profitable aux joueurs de Manchester City. On sait qu'ils n'ont pas besoin de beaucoup d'espace. C'est ce qui les avait empêchés, Manchester United, justement, de proposer des espaces. Il y avait eu des dédoublements, des renforcements sur les côtés, fermer l'axe pour essayer d'éviter à des joueurs comme De Bruyne de pouvoir trouver des espaces, de pouvoir s'engouffrer et de pouvoir trouver Gabriel Jesus dans la profondeur. Aujourd'hui, il a été trouvé facilement Jesus, il a été trouvé facilement Sterling sur les côtés. Le marquage, il était totalement laxiste. Et en face, t'as un manque de réaction, d'intensité. City menait, mais City mettait plus d'intensité qu'Arsenal. C'est incompréhensible. Tout le long du match, t'as comme ça des joueurs d'Arsenal, bras ballants, qui étaient en train de montrer leur exaspération. La sortie d'Ozil en est une preuve. Il sort, il s'en veut à lui-même, il shoot dans un truc. Si t'es sur le terrain, montre un petit peu de quoi t'es capable. Emery, il a placardé à un moment donné. On nous a dit qu'Emery ne l'aime pas, Emery, etc., etc. Aujourd'hui, il est sur le terrain. Depuis qu'il est là, on voit que Hyunberg lui fait confiance. L'électrochoc n'a pas marché parce que tout simplement, certains joueurs dans cette équipe-là ne prennent pas leurs responsabilités. Et Ozil, depuis un bon moment aujourd'hui, on le dit, c'est un footballeur, on l'adore tous. Comme toi, t'adores Pastore, etc. Il existe ce genre de footballeur-là où ce sont peut-être les vrais artistes. Deux compiles de highlights peuvent nous rappeler les gros joueurs qu'ils ont été, les techniciens qu'ils sont. Mais dans le terrain, ça ne s'arrête pas à deux minutes. Il faut de l'intensité, il faut boucher les couloirs, il faut empêcher l'adversaire de jouer. Aujourd'hui, Rodri s'est amusé. Ozil n'a fait aucun pressing, contrairement à Jesus qui lui descendait sur Guendouzi ou Torreira pour les empêcher d'enclencher la première action du côté d'Arsenal. Voilà, ça a été incompréhensible du côté d'Arsenal. Yacine, on va revenir sur Arsenal un peu plus tard parce que c'est vrai que l'environnement, là encore, comme pour l'Olympique Lyonnais, n'aide peut-être pas les joueurs et ça, on l'expliquera peut-être par la suite. Sur Manchester City, on va rappeler qu'il y a ce nombre de points d'écart avec Liverpool. Alors peut-être que dans les têtes, c'est déjà terminé pour les Citizens. Mais mine de rien, ça fait du bien de se rassurer. Comme le dit Alpha, dans l'intensité, c'est peut-être là où on a vu que Manchester City s'était remis complètement d'équerre. C'est parce que même à 3-0, ils ont essayé de continuer à faire du jeu. Ouais, pas complètement, parce que je trouve quand même qu'ils sont moins dominateurs, moins que dans les années fastes, mais par rapport au début de saison, ouais, peut-être un peu plus. Voilà, ils sont mieux. Après, pas complètement, parce que vraiment, il y a des. Je trouve que aujourd'hui, le match l'après-midi, là, après le premier but, il y a quand même 10 minutes où City font pas grand chose. Arsenal, ils sont un peu plus haut. C'était bizarre, il n'y avait pas d'occasion, mais c'était bizarre. Je les sentais pas mettre. Après, quand il y a eu deuxième but, ils ont mis deux buts. Après, effectivement, c'est plus facile. Et puis, quand t'as un joueur comme De Bruyne avec sa qualité de passe, maintenant, malgré tout, il y a des choses qui sont étranges. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a moins de maîtrise, il y a même moins de façon de jouer très haut.
C'est-à-dire que, alors c'est aussi une question de défense, hein. Ils ont perdu leurs défenseurs centraux. Otamendi, c'est pas la porte. Ah oui, donc Fernandinho sur le terrain, bah oui. Donc automatiquement, ils sont quand même moins présents. En fait, il y a moins d'intensité et de pressing très haut. Et je trouve que les actions redémarrent beaucoup de plus bas qu'avant. Donc il y a plus de kilomètres à faire. Et je pense que c'est ce qui leur pose problème cette année, parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont venues un peu les dominer, les faire reculer. Ce que City faisait pas, c'est-à-dire qu'ils prenaient des buts en contre et tout, mais rarement ils étaient dans leur camp. Là, les actions, elles partent beaucoup plus de leur camp parce qu'ils récupèrent moins le ballon haut. Et après, il y a Jesus, je trouve qu'il il manque d'efficacité par rapport à Guerreiro. Il a quand même. Même s'il a mis ce triplé en Ligue des Champions. Non, mais bien sûr, mais sur la globalité des matchs, quand il n'est pas là, c'est pas pareil. Donc voilà, après. Son style différent. Ouais. Il y en a qui connaît plus la première ligue que l'autre et qui est plus à l'aise en première ligue. Voilà, et ça se voit dans les déplacements, ça n'a rien à voir. Le calendrier de Manchester City, on va le voir, on a mis jusqu'au match face à Everton, parce que ça donne une visibilité sur les adversaires que vont avoir City pendant la période du Boxing Day. Oxford, là, en Cup, ça sera le 18, c'est mercredi, je crois. Ouais. Déplacement à domicile contre Leicester, à Wolverhampton, où c'est jamais facile de jouer. Tottenham, ouais. Ensuite contre Sheffield, et ensuite on accueille Everton. On sait que Leicester a aussi un calendrier démentiel avec ce déplacement à City, et ensuite il joue Liverpool. Du coup, est-ce que City doit se concentrer sur la deuxième place pour essayer de laisser de côté Leicester, ou ils peuvent toujours rêver d'aller titiller Liverpool, Dominique ? Non, pour le titre, je pense que c'est terminé. Aujourd'hui, on voit la différence, l'écart qu'il y a entre Liverpool et City, et pas seulement en termes de points, mais on le voit aussi dans le jeu. On l'a vu lors de l'opposition Liverpool-City. Tu avais une différence qui était criante entre les deux équipes et une domination de Liverpool. Donc aujourd'hui, moi, je pense que cette équipe-là, City, voilà, ils ont remporté le titre. Aujourd'hui, ils sont lâchés. Je pense que leur objectif principal, maintenant, c'est la Ligue des Champions. C'est un objectif que Guardiola attend depuis Barcelone, parce qu'au Bayern Munich, il ne l'a pas eu. À City, il a les moyens. À City, il a les moyens et l'équipe pour essayer d'accrocher cette compétition. Donc je pense qu'aujourd'hui, leur objectif principal, c'est vraiment ce focus sur la Ligue des Champions. Et le championnat, ils vont le terminer dans les 4 premières places. Maintenant, sur la qualité qu'ils ont, sur le jeu qu'ils peuvent produire, oui, ils vont finir soit 2e, 3e ou 4e. Mais je ne les vois pas revenir sur Liverpool. Pour moi, l'écart est beaucoup trop grand. Maintenant, même on voit une équipe de Leicester qui joue décomplexée. On a vu, c'est une équipe joueuse, c'est une équipe qui montre de l'envie et qui est régulière aussi dans ses prestations et dans ses performances. Qui peut poser des problèmes le match de la semaine prochaine, son style de jeu. Voilà, Alpha l'a dit, City cette saison face au gros, ça a été très difficile pour eux. Donc Leicester maintenant est redevenu sur cette saison une très bonne équipe. Donc je ne pense pas que ce sera évident pour eux d'aller remporter ce match-là. Donc pour moi, le championnat aujourd'hui, ils vont peut-être le mettre de côté, même s'ils vont viser la qualification en Ligue des Champions. Et ils vont mettre le focus sur cette compétition à partir des 8e de finale de Ligue des Champions. Ouais, ça va être une affiche qui va être très intéressante, parce que Leicester a un petit peu le même profil que Manchester United, même s'ils ont plus de qualité, je pense, devant pour développer sur les actions, que ce soit avec Caio Pérez, que ce soit avec Vardy, ces joueurs-là, tu as cette qualité-là, que ce soit le petit Mason au milieu de terrain qui peut te produire des passes pour casser les lignes, donc ils peuvent aller très rapidement. On sait le tarif qu'ils avaient mis ici, le match qu'on avait vu, je l'ai oublié, face à quelle équipe, Southampton, 8 buts qui les avaient mis, ils n'avaient pas arrêté d'appuyer sur la pédale. Là, ils ont connu un petit coup de mou à Norwich. Enfin, moi, je crois que c'était 9-0 là-bas. 9 ? Ouais, c'était 9-0 là-bas, je crois. 9 ? Non, je sais plus. Bon, ça, 8 ? 8 ? 9 ? Je dirais moi 9, mais... Ouais, 9 ? Ouais. Ah ouais, quand même. Oh, on ne partait plus à la fin. Ça ne change pas grand-chose, Big 9. Je pense que c'est déjà un gros tarif. C'est une bonne valise. On n'est pas après. Mais pour revenir sur City, moi je suis d'accord sur l'analyse qu'il y a fait de City cette saison. Après, par contre, il ne faut pas oublier que ça reste quand même une équipe qui continue quand même de faire peur à ses adversaires, donc je ne les vois pas quand même, je ne vois pas Guardiola lâcher cette première ligue sous prétexte qu'il y a énormément de points d'écart avec Liverpool. La saison dernière, il ne faut pas oublier qu'ils rattrapent 10 points, ils avaient 10 points de retard sur, ça allait faire 10 points avec Liverpool, qu'ils les rattrapent quand même, qu'ils terminent le titre devant Liverpool dans une course effrénée, dans un championnat exceptionnel qu'ils nous ont offert. Cette deuxième partie, ça peut se jouer à rien, même si pour moi cette saison, sincèrement, tout réussit à Liverpool. C'est ça. Et que voilà, même Liverpool aussi n'est pas forcément flamboyant dans ces matchs, on les voit face à Watford dans des matchs compliqués où ils ratent énormément face à Salzbourg, on les a vus en Ligue des Champions où ils se font rentrer dedans pendant 45 minutes. Après, tu as ce changement de dispositif de Klopp. C'est là où je trouve la différence aujourd'hui entre Guardiola et peut-être Klopp ou même Brendan Rodgers du côté de Leicester, parce que eux, ils apportent un discours nouveau qui continue à être écouté par le joueur, une certaine forme de fraîcheur. Alors que Guardiola, on le sent un petit peu fatigué, un petit peu en retrait, tout ça. Le match face à Liverpool, il fait pas de changement, il fait un seul changement poste pour poste.
il essaie pas d'innover. Tactiquement, on le sait qu'il est beaucoup friand de changements tactiques, d'essayer d'inverser les rôles, de faire monter un milieu terrain, de faire reculer un milieu terrain, faire entrer un milieu offensif. On le sent plus dans cette folie-là, dans cette frénésie, dans cette prise de risque-là qui l'animait avant. On le sent un petit peu sur le banc, dépité, même face à Manchester United. Il était en recherche de solutions, il semblait un petit peu perdu sur son banc. Voilà, j'ai l'impression que les joueurs aussi ressentent cela un petit peu au bord du lac. Il va y avoir une usure mentale. Et il y a une certaine forme d'usure mentale. On sait, de toute façon, c'est un entraîneur qui n'aime pas beaucoup rester dans les clubs. Là, c'est sa 4e saison du côté de City. Lui-même, à un moment donné, le même discours, forcer ses joueurs, les pousser à répéter les mêmes efforts, les mêmes schémas. À un moment donné, les adversaires finissent par le comprendre. Et s'ils ne se réinventent pas, malheureusement, bah, ils tombent souvent dans des traquenards comme à Manchester ou comme face à Liverpool. Juste sur le chat, c'était 7 points d'avance l'année dernière avant de, City. Ça pouvait être 10 s'ils gagnaient contre Liverpool. Ouais. Au mois de janvier. Ouais. On va passer à Arsenal. Arsenal, parce que mine de rien, ça commence, on en parlait au niveau des envies, ça commence à être très compliqué pour les Gunners. J'aimerais qu'on voit cette citation de Freddy Ljungberg, l'entraîneur actuel d'Arsenal. Le mot actuel est assez important. Je leur ai dit au club, aux dirigeants, qu'ils devaient prendre une décision. Nous sommes là pour aider le staff et c'est également, mais une décision doit être prise pour que nous puissions avoir les mêmes ressources que les autres clubs. Décision par rapport à quoi? Vous allez me poser la question. Par rapport au statut que doit avoir Freddy Ljungberg et à l'arrivée d'un éventuel entraîneur. Pourquoi? Parce que Freddy Ljungberg a été nommé en remplacement de Unai Emery, sans dire si ça allait être définitif jusqu'à la fin de saison, si un nouveau coach allait venir. Il y a eu des tractations, on sait, avec Mourinho avant qu'il ne signe à Tottenham. Il y a des tentatives de communication avec d'autres coachs qui seraient libres et qui ont dit non. On a eu une information sur Pochettino qui aurait dit non à Arsenal. Ça devient impératif que la situation... Ancelotti qui a peut-être été approché, Marcelino, Arteta, il y a eu énormément de noms qui ont été proposés. Ça devient impératif au moins de savoir si Ljungberg va faire jusqu'à la fin de saison et savoir aussi si Ljungberg a le profil pour entraîner Arsenal jusqu'à la fin de la saison, Yacine. Évidemment, parce qu'en fait, le truc, c'est que le joueur... Il est un peu vicieux, c'est-à-dire que s'il a un coach là qui ne le fait pas jouer, c'est très facile de faire sauter un coach. Donc là, ils peuvent faire exploser le groupe. Maintenant, si le président il dit « bon voilà, ce sera Ljungberg pour les 3 prochaines années », le joueur ne peut plus se permettre d'avoir le même comportement. Donc automatiquement, pour la visibilité, pour les joueurs, pour leur implication, c'est obligatoire. Après, on peut tout dire sur les joueurs. « Ouais, c'est pas normal, et ils gagnent de l'argent et ceci », mais en fait, tout ça, c'est du vent, ça reste des êtres humains. Donc le mec qui joue pas, s'il a une possibilité de faire sauter le coach pour dire « je vais peut-être retrouver une place », il va le faire. Voilà, c'est normal, ça s'est passé dans plein de clubs, et même des soi-disant grands clubs. Hein. Je rappelle qu'Ancelotti, il se fait virer par le vestiaire du Bayern, donc qu'on ne nous raconte plus d'histoires sur les grandes institutions et tout ça, c'est pas vrai. Le système est le même que ce soit. Mais par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, Arsenal... ils sont quand même en chute libre. Voilà, sur les dernières saisons, les résultats, il n'y a rien qui va vraiment. Et Ljungberg, est-ce qu'il a le profil? À part son passé, il a quoi aujourd'hui? Enfin, son passé de joueur, je parle. Ah oui, il n'a pas voilà. De référence, aucune référence. Donc je pense qu'Arsenal, ils vont être obligés de prendre un coach qui a une vraie histoire, un passé, qui va pouvoir remettre... Une poigne, peut-être. Ah oui, qui va pouvoir remettre le club sur quelque chose de plus cohérent. Quand on voit quand même Arsenal aujourd'hui, c'est derrière Leicester, c'est derrière Everton. Enfin, je veux dire, c'est pas possible par rapport à l'argent. Le standing que devrait avoir Arsenal. Au club que c'est, historiquement, enfin, ils peuvent pas se permettre d'attendre en se disant bon, ben, on fait rentrer de l'argent, puis on attend. Et Arsenal, ça me fait aussi penser à Lyon dans le recrutement. C'est-à-dire qu'Arsenal, depuis quand ils ont pas bien recruté? Bien recruté, tu veux pas dire forcément mettre l'argent, tu mets mettre l'argent là où il faut. Ah oui! Les dernières recrues, c'est quand même du joueur. Moi, quand même, moyen plus, quoi. Cet été, moi, je pensais qu'ils avaient, justement, jusqu'à là, je pensais qu'ils avaient vraiment pas bien recruté et que le recrutement a été un petit peu banalisé et qu'ils n'arrivaient pas à la seule du recrutement à gérer. Il y a eu le mec qui était du côté de Dortmund, dont j'oublie le nom, qui était là et qui a remis tout ça à flot. Il y a eu le jeune Tierney. Mislintat, il s'appelle. Mislintat, voilà. Je suis pas très fort en routine pour eux. C'est Arthur Veil qui m'a glissé ça dans l'oreille. Parce que moi, c'est un supporter d'Arsenal. Bah, merci, voilà. Arthur. Donc, du coup, je sais qu'il a fait un bon travail du côté Dortmund et Arsenal. Aussi, je pense que cet été, il a essayé de bien remettre les choses. Et j'ai vu le jeune latéral gauche Tierney du Celtic venir, qui est super intéressant. David Luiz, normalement, ça doit rester une valeur sûre de Première Ligue, mais malheureusement, C'était censé, on peut critiquer David Luiz pour tout ce qu'il était, mais par rapport à Socratis Moustafi, c'était normalement, même si c'était pas extraordinaire, c'était un petit peu au-dessus. Ça devait apporter plus de sérénité, plus d'assurance, alors que là, on voit qu'il plombe plus Arsenal que le contraire. D'ailleurs, depuis que Ljungberg est là en Première Ligue,
Ligue, je pense qu'il le fait beaucoup plus, beaucoup moins jouer. Ouais. Qu'il le fait aujourd'hui, il est sur le banc, il ne rentre pas. D'ailleurs, dans un gros choc comme ça, il est sur le banc. Et il recrute aussi Nicolas Pépé, qui devait, même s'il doit s'adapter et tout ce qu'il y a derrière, on l'a suivi sa saison dernière, il devait apporter quelque chose. Il y a eu également Ceballos. Donc pour moi, à chaque ligne, ils ont recruté une colonne vertébrale, c'est-à-dire David Luiz, Ceballos, même si Pépé, ce n'est pas un avançant, mais ça reste quand même un joueur vilvortant sur le côté, un joueur de rupture qui peut apporter, de par ses décisions et ses prises de risque, des actions de qualité, un jeu offensif fourni. Maintenant, on en vient à un problème à Arsenal. Moi, Unai Emery est parti. Moi, je pensais vraiment qu'il y avait un problème. Moi, j'avais tutoyé là-dessus. Je me suis dit, à un moment donné, il faut arrêter, parce que lorsque les deux se regardent en chien de faïence, le vestiaire ne te fait plus confiance, les dirigeants ne t'appuient plus, parce qu'Arsenal, le problème, c'est ça un petit peu. Les dirigeants sont un peu loin de ce qui se passe du club. Ils n'appuient pas. C'est Lundberg, il sait bien ce qu'il dit, parce que là, il a l'impression que ça peut traîner comme ça. Les sous, ça rentre, les droits d'image en première ligue, ça peut sauver en Ligue des Champions. Il n'y aura pas trop de décisions. Là, il a envie. L'info, c'est que ça peut traîner. C'est-à-dire que. Oui, carrément. Ah oui, puisque même lui n'a pas de réponse. Il n'a pas de rumeur qui vient. Donc, s'il le dit, s'il faut attendre deux mois. Ce que veut dire aussi cette citation, c'est aussi une information, vous avez raison de le dire, c'est que Ljungberg ne sait pas s'il est intérimaire ou s'il est. Parce que ça se passe un petit peu comme ça dans ce club-là depuis un moment. Unai Emery, avant qu'il se fasse dégager, il y a eu beaucoup de mauvais résultats, des matchs insipides, des matchs qu'on ne peut pas regarder d'Arsenal. Alors que moi, je suis désolé, les débuts d'Unai Emery sont plutôt intéressants. Ce match face à City, ce match face à Liverpool, où il essaie d'innover, il apporte le jeune Guendouzi au milieu de terrain. Torreira est également intéressant. Cette association-là, il prend énormément de risques. Il y a certains matchs, il se fait gifler, notamment face à Liverpool ou même face à City dans l'intensité. Mais il essaie d'apporter un football positif. Là, moi, je pensais qu'à un moment donné, comme je le disais, on se regardait en chien de faïence. Les joueurs voulaient qu'il parte, il n'avait plus la main, c'est-à-dire qu'il tenait plus son vestiaire. Je me suis dit donc, ok, là, gars, il faut que tu partes. C'est bon, l'entraîneur qui va venir, les joueurs vont essayer de se remettre en selle, ils vont essayer de se reprendre en main. Là, il n'y a pas eu ce fameux électrochoc, parce que Solskjaer, lorsque Mourinho part de United, parce que le vestiaire ne le veut plus, on voit directement que lorsque Ole Gunnar Solskjaer y revient, psychologiquement, les joueurs ont envie de faire plus d'efforts. Manchester, c'était l'une des équipes qui courait le moins en première ligue, c'est devenu l'une des équipes qui court le plus en première ligue depuis que Solskjaer est revenu par rapport à Mourinho. Donc là, tu ressens une question d'effort aussi. C'est une question d'envie, d'effort, les joueurs te le font payer. Je suis complètement d'accord dans le foot d'aujourd'hui, ceux qui croient que les joueurs n'ont pas accès à Instagram, Twitter, et qui ne savent pas qu'on se moque de leur coach dans le dos et que la famille en parle, ils se gourrent complètement, les joueurs savent et parlent entre eux. Donc moi je pensais qu'avec l'arrivée de Ljungberg, on allait voir quelque chose où les joueurs allaient se prendre en main, parce que moi je ne m'attends pas à ce que Ljungberg crée des schémas tactiques ou fasse jouer Arsenal. Oui, si ça avait été un génie tactique, il n'aurait pas été intronisé Je pense qu'il était à l'équipe de jeunes, il n'y a pas eu des résultats flamboyants non plus avec les équipes de jeunes d'Arsenal. Arthur le suit, donc il peut en témoigner, parce que lui il connaît plus que nous. Donc voilà, moi je ne pense pas que c'est le coach qu'il faut pour apporter des innovations tactiques et tout, mais là on incrimine carrément les joueurs, parce que défensivement, quels que soient les choix que tu fais, défense à 3, même si je pense que c'est une équipe qui doit plus jouer en défense à 3 parce qu'ils ont plus des pistons plutôt que des latéraux, parce qu'ils n'arrivent pas à contenir défensivement, mais quels que soient les choix que tu effectues, Moustapha, Kolasinac, Chambers, David Luiz, c'est aussi pénalisé par les performances individuelles. À un moment donné, tu te mets tout seul dans des difficultés. Aujourd'hui, la prise de balle sur le deuxième, troisième but, la gestuelle de Guendouzi au milieu de terrain pour laisser son adversaire passer, moi je suis désolé, Ozil, ce qu'il fait sur le terrain en marchant, en ne mettant pas d'intensité, en n'agressant pas le premier porteur pour les ressorties de balles, quand on sait que City ressort comme ça, c'est impardonnable, inadmissible à ce niveau de compétition. Juste pour revenir aussi, je te donnerai la parole après Yacine, mais juste pour revenir sur ce flou de l'entraîneur, Arthur me le glisse aussi, c'est que les dirigeants n'ayant pas titularisé jusqu'à la fin de saison Ljungberg, ils lui ont dit ne viens pas avec un staff, il n'y a pas de staff, le staff il est composé du directeur de l'académie et de l'entraîneur des gardiens. Parce que Unai est parti avec ses adjoints notamment. Est-ce que ça prouve pas ça en apprenant ça, est-ce que ça prouve pas qu'on est dans un marasme le plus total, Dominique? Ouais, je veux pas dire de l'incompétence, mais tu plombes quand même ton équipe et tu ne donnes pas les moyens. On parle des dirigeants là. Des dirigeants, et tu ne donnes pas les moyens à ton entraîneur intérimaire d'avoir des résultats et de changer la situation de cette équipe là aujourd'hui. Si même si l'entraîneur ne sait pas où est-ce qu'il va et s'il n'a pas le soutien et l'appui de ses dirigeants, et il se pose des questions devant la presse, parce que ça normalement c'est un discours que tu dois avoir avec tes dirigeants, mais tu dois pas le mettre sur la place publique. Si ça, quelque chose ne va pas, t'en parles avec tes dirigeants et ça se règle normalement en sous-main, dans le vestiaire. Et là aujourd'hui, si lui en parle sur la place publique, c'est qu'il y a un vrai problème dans cette équipe. Alors lui connaît parfaitement l'histoire du club, il a été joueur, il sait comment ça fonctionne, et il veut peut-être créer un électrochoc, mais aujourd'hui tu sens très bien que ce bateau là il est ivre, il n'y a pas de capitaine à bord, et si ça ne change pas et si tu ne nommes pas un vrai entraîneur, parce que pour moi Ljungberg
Il peut essayer ce qu'il peut faire, ça ne marchera pas s'il n'a pas de staff avec lui. Si les joueurs aujourd'hui ne répondent pas à présent, parce que ça fait quelques matchs qu'il est présent et on voit qu'il n'y a aucun changement dans l'état d'esprit, dans la mentalité des joueurs, là il faut un véritable électrochoc. Donc si tu n'apportes pas un nouvel entraîneur avec de la poigne dans cette équipe-là, aujourd'hui tu risques d'être en péril et de connaître une deuxième partie de saison qui s'annonce très compliquée. L'objectif d'Arsenal, c'est comme pour Lyon, hein, c'est la qualification en Ligue des Champions. Ça fait longtemps que Arsenal n'est plus dans le top 4. On nous parle de la matière des dirigeants d'Arsenal sur le chat. Tu voulais revenir aussi sur aujourd'hui sur le manque d'envie, ça s'est caractérisé. Deuxième but, quand Sterling il fait son contrôle, il rentre dans la surface, il va à deux à l'heure, il regarde, il lève la tête, il y a trois défenseurs autour de lui, il n'y en a pas un qui sort sur lui. Ouais, il arrive à centrer au deuxième poteau, Sterling il est tout seul. Mais c'est juste hallucinant. Quand tu es joueur professionnel, c'est pas possible de faire ça. Il a le temps de bronzer, de mettre la serviette, de mettre le tournesol et tout ce que preuve en est de ce manque d'envie aussi. Il y a eu un record qui a été battu pour un match à domicile pour Arsenal aujourd'hui. C'était le match où Arsenal a le moins tiré au but depuis décembre 2008. 6 petits tirs, un seul cadré. Aujourd'hui pour Arsenal. On va voir aussi le calendrier les résultats des Gunners depuis que Ljungberg est arrivé, parce que ça va prouver ce qu'on a dit. Une seule victoire, la victoire elle était à West Ham lundi dernier. Deux nuls, deux défaites. Il y a eu un nul arraché dans les dernières minutes contre Francfort en Ligue Europa. Ça prend plus de buts que ça n'en marque. Zéro clean sheet. Il faut véritablement un nouvel entraîneur. Je pense qu'on est tous d'accord. Comparé à Manchester de l'année dernière, quand Solskjaer arrive, il fait 9 victoires d'affilée. C'est ça. Il y a juste à comparer, c'est tout. Yacine l'a dit tout à l'heure sur le fait qu'il fallait clarifier la situation. Lui, il a donné son avis en disant que Ljungberg n'était peut-être pas l'homme de la situation. Est-ce que en titularisant Ljungberg, en le mettant jusqu'à la fin de saison, en disant tu fais venir ton staff, on est derrière toi, est-ce qu'il peut y avoir l'électrochoc enfin de cette manière-là? Comme tu le disais, Alpha, si les joueurs sont au courant que Ljungberg est l'homme dont les dirigeants vont dire tu es l'homme de la situation, est-ce qu'il peut y avoir un électrochoc? Je ne sais pas, je pense que ça a un petit peu, je ne dirais pas que ça a tardé, parce que là ça fait quand même 5 matchs et que la spirale négative continue toujours et que les prestations n'ont pas, il n'y a pas eu de sursaut d'orgueil en fait. Tu aurais pu surfer sur une dynamique positive où tu dis ça commence à marcher, 2 victoires, 3 victoires, les joueurs sont en confiance, ils reviennent et tout, sauf que là aujourd'hui malheureusement les résultats ne sont pas les résultats qui sont le pour moi dans le football le meilleur allié d'un coach. S'il prend des décisions, il n'y a qu'à voir ce que fait Rose du côté de Glenn. De barre. Il est venu, il a mis tous les anciens du coup à la touche, que ce soit Herman, Raphaël. Ça aurait pu faire exploser le vestiaire, mais les résultats font Les résultats sont là, tout le monde se tait, tout le monde suit la politique de Rose et tout le monde reste derrière lui comme étant le général qui commande le navire. Sauf qu'aujourd'hui, tu ramènes plutôt Ljungberg, le lapsus il est révélateur. Tu ramènes Ljungberg, le sursaut d'orgueil n'existe pas. Et au-delà de ça, vu qu'il n'existe pas ce sursaut d'orgueil-là, il y a des joueurs dont la situation n'a pas forcément évolué, quand même, comme Alexandre Lacazette, qui, sur ses prestations, est plutôt louable s'il est sur le terrain. Et on a vu cette association, moi j'ai toujours envie de la revoir, cette association Aubameyang, Alexandre Lacazette. On sait qu'Arsenal, à chaque fois qu'il l'avait mise en place la saison dernière, ça a marqué but sur but, ça dédoublait, ça jouait l'un pour l'autre, ça se trouvait, ça combinait parfaitement, ça mettait à mal, comme on le disait tout à l'heure, la peur pour l'équipe adverse et la défense adverse de défendre face à Aubameyang, Lacazette, qui ont deux profils différents, donc tu ne peux pas attraper par un seul système de jeu. Il va falloir être très vigilant sur le déplacement, la rapidité de l'autre, sur la vista, le contrôle et le coup d'œil de l'un. Enfin, moi je trouve que ce mélange-là, il était parfaitement bien. Sauf qu'aujourd'hui, tu arrives avec Ozil qui était blacklisté, tu le mets titulaire et le mec ne prouve pas sur le terrain. Donc qu'est-ce que ça envoie le message dans le vestiaire? C'est-à-dire que Lacazette, lui, qui est plutôt performant quand il rentre ou quand il joue, même en Europa League, on l'a vu, il a marqué, je pense, face à Francfort ce jeudi. Donc voilà, il est plutôt intéressant, même dans l'idée de jeu, même dans la philosophie qui existe à Arsenal, c'est-à-dire je léché, je cours, essayer de dédoubler par des passes courtes, essayer d'écarter sur les côtés. Lui, il a cette vision de jeu-là. Donc aujourd'hui, tu le blacklistes, tu mets en place un joueur qui n'était pratiquement pas dans les rangs du club, qui ne donne pas satisfaction sur le terrain, tu t'entêtes avec ça. Des joueurs comme Pépé qui sont venus parce que Unai Emery les voulait vraiment, parce qu'il y a eu cette discussion personnelle avec Emery qui a voulu le faire venir. Donc c'est quoi? Tu les utilises comment? Est-ce que tu es dans le même schéma? Il y a un véritable flou aujourd'hui. Si les dirigeants ne tranchent pas et qu'on essaie de remettre Arsenal sincèrement sur les rails, parce qu'aujourd'hui on ne sait ni politique du club, ni identité du club, parce qu'aujourd'hui on ne sait pas ce que veut faire Arsenal. C'est un coach qui vient, il fait ce qu'il veut, il s'en va, il y a un autre qui vient, il essaie de faire ce qu'il peut, il s'en
s'en va. Arsenal, pour moi, même si Wenger il est resté des années et des années, il y avait une culture, il y avait une philosophie, il y avait un jeu. C'est l'un des clubs qui procurait le plus de jeux sur, sur les terrains européens. Aujourd'hui, c'est ça l'identité d'Arsenal. Et les dirigeants, pour moi, l'ont oublié. Et donc, il faut que les dirigeants repartent rechercher cette identité d'Arsenal-là. Il y a des entraîneurs qui sont sur le terrain, Pochettino qui vont peut-être venir en fin de saison, Ancelotti peut-être. Ça a l'air pas bien parti pour Pochettino quand même. Mais peut-être Arteta, si on arrive à le convaincre. Arsenal a les moyens, Arsenal a les finances de le faire. Pourquoi pas les convaincre qu'un Arteta qui a été disciple de Guardiola pendant des années et qui peut appliquer cette intensité, cette philosophie qu'a eu Arsenal sur les autres années. Aujourd'hui, moi je suis désolé, tu dois non seulement avoir, aujourd'hui c'est pas de leur faute si défensivement ils sont plombés par David Luiz, parce que moi j'étais le premier à croire que David Luiz t'apporte de la sérénité. Malheureusement, c'est pas ça. Et peut-être un changement de schéma, il sait jouer dans une défense à 3, il peut aller au milieu de terrain. Il faut un coach qui sait innover, qui sait aller rechercher des solutions comme ça, pas des coachs qui s'entêtent sur une idée brute et qui ne changent pas et qui n'osent pas le changement. Pour terminer, Dominique, ton avis, est-ce que, je te pose la même question que j'ai posée à Alpha, est-ce que si on décide, Arsenal, de titulariser Freddy Ljungberg, de dire « Freddy, tu es l'homme de la situation » et on déclare publiquement que c'est toi qui vas rester jusqu'à au moins la fin de saison, est-ce qu'il y a moyen de remonter Arsenal avec lui ? Bah, c'est une question de ce que tu as vu. Hein, oui, bien ce sûr, voilà. C'est parce qu'on ne peut jamais tirer de pain sur la comète et jouer au vizir et au voyant. Mais pour moi, c'est trop tard. Il a déjà 5 matchs. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de réaction, il n'y a pas eu de changement. Et si aujourd'hui, tu lui donnes le staff, alors que tu aurais dû lui donner dès que tu lui mets à l'intronisme, c'est dans ce cas-là. Tu n'attends pas 5 matchs en voyant de piètres résultats pour lui dire bah, finalement, ce sera toi qui va rester. C'est ça. Je pense que l'exigence. Si tu attends l'intérimaire qui vient, c'est de voir s'il surfe, s'il ramène. Si ça fonctionne. Voilà, on l'a vu avec Solskjaer, exactement. Aujourd'hui, pour moi, le mal est trop profond du côté d'Arsenal, donc il voit un véritable changement. Il y a un proverbe qui dit si tu te maries avec un singe, ne t'étonne pas qu'il mange des bananes. Là, c'est la même chose. Là, pour moi, c'est trop tard. Si aujourd'hui, tu lui donnes vraiment tous les pleins pouvoirs alors que c'est déjà biaisé dès le départ, tu n'auras pas de bons résultats jusqu'à la fin de saison. Donc, il faut vraiment une cassure et un nouvel entraîneur qui puisse arriver. J'aime beaucoup cette expression. Très sympathique. Tu te maries avec un singe, il ne faut pas s'étonner qu'il mange des bananes. C'est très bien. Oui. Pour revenir là-dessus, c'est le pire, ce serait de faire ça parce qu'en fait, là maintenant, avec les mauvais résultats, je pense que le message envoyé aux joueurs, il est encore pire. Ça veut dire, en gros, on n'a personne à prendre. Démerdez-vous. Voilà. Là, on vous laisse avec lui et on finit la saison comme ça. Mais je crois que le message, il sera. Là, maintenant, à cause des résultats, il aurait fait 5 matchs, 5 victoires, on n'en serait pas là. Mais alors là, que s'il avait été intronisé dès le début en disant ça sera lui, ça aurait pu le faire. Là, maintenant, on dit, on attend, on va voir, on rencontre des coachs parce que tout se sait. Donc, il rencontre des coachs. Et là, d'un coup, avec des résultats médiocres, on va te dire. Bon, bah finalement, on reste avec lui jusqu'à la fin de la saison. Le message que t'envoies aux joueurs, c'est en gros, on a raté tout le monde. Ouais. Non, mais pour te prouver que les dirigeants sont là, c'est que ce coach que t'aurais pu emmener après le départ d'Unai Emery, t'as eu le temps de le préparer. Mais oui, en plus, c'était la très bonne personne, en plus. Le football qui se détériore, les matchs qui sont imbuvables, qu'il nous a proposé. C'était pas nouveau. Saison, ça a tenu sur 2-3 mois. Donc il y a eu le temps de avant de le virer, s'il y avait eu du boulot fait par les dirigeants, il y aurait eu le temps de. Si les dirigeants étaient présents, comme on le dit, et qu'ils faisaient pas preuve d'amateurisme, en tout cas de laxisme pour ne pas essayer de trop les accabler sur ce sujet-là et sur l'équipe première d'Arsenal, ils auraient pu proposer, préparer le terrain de l'après Unai Emery. Mais là, tu laisses Emery te proposer quelque chose d'imbuvable pendant 2-3 mois. Tu dis, bah, au final, franchement, il n'y a plus de solution, on va s'en séparer. On va ramener un mec qui malheureusement n'a pas créé d'électrochoc, tu ne fais pas encore de communication, tu vas le laisser encore pendant 1 ou 2 mois et ensuite, un moment donné, il faut vraiment trancher, il faut apporter une véritable solution et il faut, comme je le dis, soit les dirigeants sont vraiment présents, parce qu'il ne faut pas oublier, comme je l'ai dit aussi dans un de mes tweets, c'est l'un des stades, c'est le stade le plus cher du royaume aujourd'hui. Et ça commence à se ressentir, puisque aujourd'hui, il y a moins de 30 000 spectateurs pour un Arsenal Manchester City, qui est un choc. C'est déjà énorme, qui a les gens ne payent plus aussi cher pour aller voir Arsenal. Je vous donne un exemple personnel. Du 1er au 5 janvier, je serai à Londres. J'ai le choix entre West Ham, Bournemouth et Arsenal, Manchester United. Je ne suis pas sûr d'aller payer aussi cher pour aller voir Arsenal. Et je vais peut-être aller au Stade Olympique pour aller voir West Ham. J'embrasse ma copine qui ne sait pas que le 1er janvier, elle va peut-être aller voir un match de foot. Surtout le Arsenal d'aujourd'hui, ça aurait été Manchester City ou même Tottenham quand il y avait Pochettino ou tout ce que tu veux. Tu peux te permettre d'aller parce que là, les émotions qui sont procurées, le football, la philosophie, l'identité, il y a tout ça. Mais aujourd'hui, ce que tu proposes avec ce que tu imposes économiquement à tes supporters et tout ça, tu ne peux pas te permettre de ne pas être à leur côté, de ne pas prendre des décisions, de ne pas remettre ce club sur les rails et d'essayer de le guider pour apporter des vrais choix pour qu'Arsenal retrouve son identité. Ce n'est pas possible.
On va passer à la dernière partie de cette émission. Juste avant, est-ce qu'on a... Oui, on va voir les résultats et les classements de la Première Ligue. On va commencer par les résultats de cette... on est à la combienième ? On est à la 17e, 18e journée. 17e journée de Première Ligue avec la victoire de Liverpool contre Watford. Hier, match nul de Leicester contre Norwich. Ce qui fait que ça profite à Manchester City qui s'impose aujourd'hui 3-0 face à Arsenal. Demain, le dernier match de cette 17e journée, Crystal Palace qui reçoit Brighton, le classement. Qui avait battu Arsenal, exactement. Le classement pour voir Liverpool. Simplement les a battus. Ouais, Liverpool qui a maintenant 10 points d'avance sur Leicester, qui en a toujours 14 d'avance sur Manchester City. City qui a 6 points de plus que Chelsea. Et Arsenal qui est à 7 points du top 4, qui est à 4 points de Tottenham. Donc pour l'Europe, ce n'est peut-être pas terminé. Pour la Ligue des Champions, ça commence à être assez lointain, même si la période du Boxing Day est une période charnière. Dernier match qu'on va analyser, les sociaux. Juste avant, je vais vous demander un petit appel au pouce bleu. Vous êtes pas mal sur le chat, n'hésitez pas à nous balancer des petits likes. On a besoin de votre soutien éternel. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne du Club des 5. Il y en a sur le chat tout à l'heure qui disait: tiens, je connaissais pas cette émission. Bah voilà, on est là. Bienvenue. On est là tous les soirs. Bienvenue. Un petit boost et un abonnement. Vous êtes maintenant des sociaux du Club des 5. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. C'est juste en dessous. Vous pouvez activer les petites notifications aussi pour savoir quand on part en direct et nous suivre sur les réseaux sociaux, le Facebook, le Twitter, l'Instagram. Et on a même un petit code promo pour Winamax. Voilà, on est là tous les soirs pour parler de foot européen. Dernier match de la soirée. Valence-Real Madrid en Liga avec le match nul arraché à la dernière minute par le Real et par Karim Benzema, ce but à la 95e. Il y avait eu un but de Carlos Soler avant à la 78e. Benzema est un sauveur. Dominique, c'est comme ça qu'on peut l'interpréter. Sur le chat, on nous parle pas mal du sauvetage de Courtois aussi, ouais. Parce que Courtois est à la tête sur le but de Benzema. Mais le Real s'en tire plutôt bien, même si le Real a dominé. Ouais. Le Real a dominé dans ce match-là, être mené à Mestalla, ils s'en tirent bien avec ce match nul. Ouais, c'est vrai que c'était un match particulier pour eux, parce qu'ils avaient la maîtrise collective, ils ont eu le plus de situations et d'opportunités, même s'il n'y a pas eu d'énormément de grosses occasions pour les Madrilènes. Et finalement, ils encaissent ce but-là par manque d'efficacité offensive, ils encaissent ce but-là juste avant, enfin, la 78e, et tu penses que voilà, c'est terminé pour eux, ils ne vont pas s'en sortir, et finalement, encore avec ce patron aujourd'hui, hein, Benzema, c'est le patron de cette équipe. Benzema, nous dit Bullet in the head. Benzema, ouais, il était vraiment au max aujourd'hui, et il a répondu présent, et une nouvelle fois, c'est lui qui a montré la voie à ses partenaires, on l'a vu énormément tenter, essayer d'apporter et d'aider aussi ses coéquipiers, notamment avec Rodrigo et Isco. Et j'ai envie de dire, c'est même pas une surprise quoi, que ce soit lui qui fasse la différence dans les derniers instants. C'est lui qui montre l'exemple, c'est le leader technique. Et j'ai envie de dire, il y a Sergio Ramos, mais vraiment, c'est ce joueur-là aujourd'hui qui rejaillit sur l'ensemble. Leader technique offensif. Offensif. Et voilà, pour moi, le mot qui le résume, c'est le patron. Il a répondu présent jusqu'au bout, il y a cru jusqu'au bout, il sauve son équipe de ce faux pas. C'est un point important, surtout pour la confiance, pour montrer aux autres équipes, même si on le savait déjà, mais que c'est une équipe qui ne lâchera rien jusqu'au bout. Et pour préparer ce Classico, c'est un bon message envoyé, je pense. Alors, on reviendra sur la performance de Benzema un peu après. Juste, Yacine, il y avait match nul du Barça hier face à la Sociedad. Il y avait possibilité de repasser devant avant le Classico. Est-ce qu'on ne peut pas avoir quelques regrets quand même côté madrilène, même si le scénario fait que tu égalises à la 95e? Est-ce que quand on est madrilène, on ne se dit pas « Ah, il y avait peut-être quelque chose à faire pour passer devant le Barça ?» Il y avait quelque chose à faire, parce que je pense que, surtout sur la première mi-temps, je pense qu'ils sont vraiment mieux, ils sont plus hauts, ils sont bien sur le terrain, ils se déplacent bien, il y a des situations. Alors c'est vrai qu'ils n'ont pas d'occasion nette, parce que Garnal est souvent sur la trajectoire des quelques frappes qu'il y a eu, mais ils ont des situations. Et c'est vrai qu'ils peuvent avoir des regrets. Après ils n'ont pas joué non plus les Ganes, ils ont joué Valence quand même. Donc ça reste une équipe qui est en forme en ce moment. Et voilà, qui vient d'éliminer l'Ajax. Voilà, donc franchement, c'était aussi... Enfin, c'était pas évident pour eux non plus d'aller prendre des points là-bas. Mais c'est vrai, je pense qu'ils peuvent avoir des regrets, notamment sur la première mi-temps. Après, c'est toujours pareil, un match. Ils peuvent aussi être satisfaits d'avoir quand même pris un point. Enfin, de ne pas avoir perdu un point sur le Barça en revenant comme ça en toute fin de match. Parce que, comme il l'a dit tout à l'heure, on revient... Enfin, quand ils prennent le but... on se dit, le match, il est fini. Ah parce oui, c'est 94e. Il y a 4 minutes d'arrêt de jeu, on va essayer la 94e, ouais, 0-2. Hein, voilà, donc à un moment donné, voilà. Après, je trouve que le Real, il manque, il y a quelque chose en défense qui est pas encore bien. Varane, je le trouve... Ouais.
très léger, il fait beaucoup d'erreurs de placement, de relance. Donc après le but, bon, il vient pas sur son erreur, mais bon, il se jette un peu sur le ballon et Carlos Soler le récupère derrière. Il y a l'action aussi face au PSG, donc voilà, il y a beaucoup de petites erreurs derrière qui leur coûtent cher. Et je pense qu'aujourd'hui, il est là leur problème, parce que devant, si aujourd'hui il marque pas, mais devant il y a quand même des automatismes avec Isco qui est en train plutôt de bien revenir. Alors qu'on l'avait quand même perdu depuis un moment. Bon, Benzema qui est au-dessus. Mais derrière, je pense qu'il y a un vrai problème derrière. Ils prennent beaucoup de buts. Bêtes en plus. Je pense que des buts que des joueurs comme Varane doivent éviter. Quoi. On l'a vu, la composition, on va la revoir, la composition de Zidane aujourd'hui contre Valence. Quelques changements notables. Alors, arrière-gauche, Nacho, ça va peut-être aller dans le sens de ce que dit Yacine avec les erreurs individuelles. Le but vient de son côté. Le système, on a mis le 4-3-3, mais ça pouvait se muter en 4-4 de losange avec Isco derrière Benzema et Rodrigo. Fede Valverde dans un autre rôle, le rôle de sentinelle à la place de Casemiro. On l'avait connu aussi à la place de Modric en relayeur. C'est ça qui symbolise ce Real-là, des erreurs défensives, mais des promesses offensives quand même aujourd'hui. Oui, même pas des promesses, parce qu'on les avait déjà vues, ce visage offensif du Real, depuis le match, même le match avant le PSG, hein, que ce soit les matchs à Eibar, les matchs bien avant, où on sentait cette équipe déjà revenir sur les automatismes devant. Le match de Isco face au PSG, pour moi, c'est un régal, le match qu'il fait, les déplacements entre les lignes, le fait de combiner, de trouver Benzema dans des espaces, ou sur le côté gauche avec Eden Hazard, c'est tout simplement fabuleux ce qu'ils ont fait ce jour-là. Aujourd'hui, moi, je pense qu'ils peuvent. Si tu vois le scénario brut, tu te dis, ouais, t'égalises à la fin, t'es heureux. Mais si tu vois le scénario sur l'ensemble du match, tu peux quand même avoir des regrets. Parce que pour moi, pendant 30 minutes, c'est quand même toi qui as les velléités les plus importantes. Même si Valence joue en contre, on connaît un petit peu le style de jeu de Valence. Il y a le même nombre de tirs cadrés, mais il y a plus de situations plus d'occupations rationnelles de la surface adverse de la part des joueurs du Real. Je les ai trouvés super intéressants. Et tactiquement, ce que fait Zidane aujourd'hui a été très important pour bloquer justement les possibilités de Valence de procéder en contre ou de trouver ses ailiers, parce qu'on sait ce 4-4-2, Coquelin, Parejo dans la première relance qui peut rapidement orienter sur un côté Vaz ou un autre Solaire notamment, et ils les ont pas trouvés rapidement parce que tout simplement ça a été très simple, où les ailiers du Real sont descendus très bas pour défendre, pour avoir une prise à deux, donc obliger les ailiers de Valence de rentrer dans l'axe et obliger donc les latéraux à monter, ce qui laissait des espaces pour Modric et Kroos qui partaient harceler très rapidement la première relance de Valence. Ça les empêchait donc d'avoir cette fluidité. Benzema d'ailleurs, il a récupéré beaucoup de ballons dans les pieds de Parejo comme ça, ou de Coquelin, pour les empêcher de pouvoir se relancer rapidement. Et on sait qu'au Real, lorsqu'ils vont dans des attaques comme ça, c'est souvent débridé au milieu de terrain, et sur une passe tu peux pratiquement te faire ciser, ou tu peux facilement te faire traverser, transpercer. Mais aujourd'hui ça s'est pas fait. Là où je le rejoins, c'est que t'as des erreurs individuelles comme ça, t'es bien dans le match, à un moment donné il y a un petit blackout. Varane, il a fait face au PSG cette erreur sur le but de Kylian Mbappé. De temps en temps il a tendance comme ça à les faire, malheureusement, que ce soit lui ou Ramos parfois, ou Courtois même. Il y a eu une sortie en première mi-temps ou en deuxième, je pense, où il maîtrise pas totalement. En première mi-temps il rate un petit peu, il percute Ramos directement. Donc ouais, il y a des automatismes comme ça défensivement qui sont pas forcément bien en place du côté du Real. Sinon offensivement, ce qu'ils produisent aujourd'hui, malheureusement qu'ils n'ont pas Eden Hazard, sinon on assistera forcément à un classico très intéressant, parce que c'est une équipe qui a pris confiance aujourd'hui et qui est beaucoup plus sûre de ses valeurs. Valverde aujourd'hui, le match, il le dit parfaitement, c'est-à-dire qu'on sent même pas qu'il est sentinelle. Ils sont pas inquiétés au milieu de terrain, alors qu'on sait que Valence, Parejo et Coquelin, que ce soit dans l'intensité ou dans les transmissions entre les lignes, Parejo il est très important. Mais le milieu du Real n'a pas du tout inquiété. Kroos, Modric, ils étaient super hauts sur les positions moyennes. Il manquait juste un but pour essayer d'assommer cette équipe de Valence et d'ensuite enclencher la vitesse supérieure. Ils l'ont pas fait. C'est des gros matchs. Valence joue à Mestalla. Ils ont aussi des individualités qui sont intéressantes. Ils ont réussi à marquer ce but. Heureusement que le Real revient derrière. On le voit sur les positions moyennes. Seuls les deux défenseurs centraux sont dans la moitié de terrain du Real. Ce sont les positions moyennes avec ballon, ce qui veut dire qu'avec le ballon, le Real était beaucoup plus dans la moitié de terrain que les joueurs de Valence. Du coup, on connaît les blessures que va avoir le Real pour le Classico qui est mercredi. On va faire un gros débrief dessus sur la chaîne du Club des 5. Il faudra être là mercredi soir. Est-ce qu'il y a quand même, malgré ces absences, des promesses et des ambitions pour ce Real-là face à Barcelone? Alors, ambition, forcément, il y a toujours des ambitions quand on va jouer un Classico. Mais est-ce que, dans le jeu, quand on sait les difficultés qu'a le Barça dans le jeu cette saison, le Real peut se dire,
Même avec ces absences-là, il y a peut-être une carte à jouer. Bah, c'est ça qui est intéressant pour Zidane sur cette saison et sur ce match-là aussi, c'est que tu es privé de quelques joueurs, mais finalement, dans la maîtrise collective et dans la gestion du match, tu es supérieur à une équipe de Valence à l'extérieur. Donc ça te prouve qu'en l'absence notamment de Casemiro au milieu de terrain, tu as un Valverde qui, lui, a répondu présent, et tu as un milieu de terrain qui retrouve aussi cette mainmise qu'on avait perdue en tout début de saison du côté du Real Madrid et qui, au fil des matchs, alors il y avait l'apport d'Hazard aussi hein, qui faisait la différence, mais. Qui commençait à revenir physiquement. À partir du mois de novembre, parce que c'est vrai que avant novembre c'était compliqué. Mais aujourd'hui, c'est les trois mois syndicaux de Hazard. Hein, voilà, ça surcharge pour des râles aussi. Mais voilà, tu as un milieu de terrain, notamment Modric et Kroos, que l'on retrouve à un véritable bon niveau. Tu as un Isco aussi qui renaît, j'ai envie de dire, de ses cendres. Donc tu as une équipe qui, malgré sans quelques titulaires indiscutables, que ce soit Marcelo ou même Mendy sur le côté gauche, et au milieu de terrain un Casemiro, qui aujourd'hui a fait le match qu'il fallait, même si c'est offensivement où ça a pêché aujourd'hui du côté du Real Madrid, parce qu'ils ont eu les situations, ils ont eu quelques opportunités, mais ils n'ont pas su inscrire ce but avant les arrêts de jeu. Mais dans la maîtrise, sur la mainmise du match, sur la rencontre, ils ont été dominateurs. Donc ça donne aussi de bonnes indications pour Zidane sur les prochains matchs, pour le Classico, même si ça va être compliqué, mais aussi sur la Ligue des Champions. Tu peux te passer de certains joueurs, mais sur le collectif, ça ne se voit pas véritablement. Quand on connaît les carences du Barça, qui est notamment en ce moment le milieu de terrain, on met assez en exergue les mauvaises performances d'un Rakitic, d'un Busquets qui n'est pas super à l'aise en ce moment, d'un Frenkie de Jong qui enchaîne les bonnes performances, puis ensuite est un peu en dedans. Savoir qu'on a un milieu là, qui commence à renaître au Real, que ce soit Kroos, Modric, que ce soit Valverde qui est une révélation cette saison, Casemiro qui est toujours là, ça peut être là que ça peut jouer mercredi dans le Classico. Je pense que Casemiro ne joue pas aujourd'hui pour préparer le match, voilà, parce qu'avec son impact aujourd'hui face au Barça, il va leur faire mal. Après, je pense que le Real, pour moi, ils ont une longueur d'avance dans le sens où, en tout cas depuis deux mois, ils maîtrisent leur match. Voilà, ils savent ce qu'ils ont à faire, ils savent ce qu'ils veulent faire, alors que le Barça, on a quand même l'impression plus d'une équipe un peu bon, on essaye et puis après c'est chacun son truc, voilà, un peu on improvise, mais il n'y a pas de fil conducteur. Je trouve qu'aujourd'hui le Barça, il n'y a pas de maîtrise collective dans la conservation, mais il y a des exploits individuels, voilà. Et en fait avant c'était plus vraiment le collectif et Messi qui finissait le travail, mais travail collectif. Là on a vraiment l'impression d'une équipe où c'est un peu chacun fait comme il veut, on sait pas trop la coordination derrière, on sait pas trop où Titi revient, après il revient pas, il est souvent blessé, mais voilà. Piqué, il avait l'air d'avoir bien démarré, il est un peu dans le trou. Au milieu, on sait plus qui mettre. On ne sait plus quel est le statut, les statuts. On sait que Arthur ne sera peut-être pas dans le groupe. Voilà, encore une fois. T'es souvent déçu par les joueurs qui sont alignés. C'est-à-dire que, voilà, en plus, il y a beaucoup de blessés. Mais voilà, Dembélé, il est là, il fait un match où il explose tout. Et puis derrière, il fait deux matchs pas bons. Et puis derrière, il est blessé. Il n'y a pas de continuité dans ce qu'ils font. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ils se reposent vraiment sur Messi. Alors que le Real, on sent que c'est vraiment le collectif qui va faire la différence. Alors, avec Benzema et Valverde, qui sont vraiment au-dessus aujourd'hui dans leur rôle. Mais c'est plus cohérent ce qu'ils font. Un mot sur Karim Benzema quand même, parce que on a la stat, les buts décisifs de Karim Benzema, il y en a eu en l'espèce 3 depuis le début de la saison, qui ont permis de rapporter 5 points au Real en Liga. Alors 5 points, c'est quand même assez important. Ce qu'on a appelé buts décisifs, ce sont les buts qui ont permis de débloquer une situation à un moment donné du match. Donc un but de l'égalisation, un but de la victoire, une victoire qui est grâce à un but de Benzema en ouverture du score. Il y en a eu contre Valence aujourd'hui, il y en a eu contre Séville, il y en a eu contre Valladolid. Ça a permis au Real de prendre 5 points. 5 points, c'est important pour dans une course avec le Barça notamment. On est presque étonné que, même si c'est intéressant 5 points, on est presque étonné que ça soit si peu, tant Karim Benzema est l'homme à tout faire de l'offensive du Real cette saison. Oui, sincèrement, moi je m'attendais, c'est pas une critique, hein, parce qu'on me dit souvent que j'ai... que tu es un peu sévère avec Karim Benzema. J'ai un regard un petit peu sévère. Tu étais sévère quand Karim Benzema n'avait pas un rendement offensif, voilà, qui était au niveau de celui qu'il a maintenant. Qui était au niveau tout simplement du joueur qu'est Karim Benzema, que depuis que j'ai connu Alien. Donc ouais, forcément, moi je suis un peu surpris quand c'est juste 5 points, mais bon, ça prouve aussi qu'au Real, il y a beaucoup de joueurs qui peuvent marquer autour. T'as Rodrigo qui s'est révélé il n'y a pas longtemps, t'as des joueurs comme Valverde, Kroos, Modric, on sait que ça peut venir de partout. C'est ça l'avantage de cette équipe du Real aujourd'hui, je suis totalement d'accord sur la maîtrise collective que met en place Zidane. Heureusement d'ailleurs que le Classico se joue
maintenant plutôt qu'à la date à laquelle elle a été prévue. Parce qu'à ce moment-là, le Real était complètement perdu. Rappelez-vous. C'est presque le Real va remercier les indépendantistes barcelonais. On est dans un. Rappelez-vous tous de cette gifle qu'ils avaient reçue sur le terrain du Parc des Princes où ils avaient été inexistants dans le jeu. Le Classico était quand même un peu après le match aller. Ça n'avait pas changé. Le visage du Real n'avait pas du tout changé jusqu'à cette date-là. C'est depuis un mois et demi, deux mois maximum. C'était le début. Je crois que ça tombait. Le Classico tombait pile au moment où le Real commençait un petit peu. C'était encore maigre. Mais il n'y avait pas. D'assurance et de solidité. Je pense que ça pouvait exploser en vol. Aujourd'hui, là, ils sont beaucoup plus sûrs de leur football. Il y a qu'à voir, ils encaissent à la 78e. Derrière, il y a un but qui est refusé pour hors-jeu. Et derrière, il y a une égalisation. C'est quand même, il y a une force mentale, il y a une assurance collective qui fait qu'ils ne se doutent pas, ils n'ont pas peur. Et ils peuvent directement aller chercher l'adversaire pour revenir sur Benzema, qui est le buteur de ce soir. C'est tout simplement un joueur qui est en train de réussir une saison fabuleuse. Parce que moi, au-delà de ces. De toute façon, je l'ai toujours jugé sur le fait qu'il ne marquait pas, notamment face à. Je me rappelle la saison dernière, le Classico où. Le Barça aussi joue sans Messi, où il y a ce duel toujours dans les classicos entre Benzema et Suarez, où Suarez réussit sa partition parfaitement et que Benzema, malheureusement, je me rappelle encore de cette tête à bout portant qu'il n'arrive pas à mettre, qui aurait pu être le tournant du Classico pour le Real et ramener son équipe dans le match. Voilà, moi je l'ai toujours critiqué sur ça. La saison dernière également, dans les grosses affiches, ça a été compliqué pour lui. Moi, là où je l'attends forcément, c'est ça, c'est dans ce genre de match-là, qu'il doit porter forcément l'équipe. Alors aujourd'hui, le danger peut venir de partout, malheureusement, tu as Hazard qui est blessé. Mais voilà, qu'est-ce que tu veux qu'on dise de plus? C'est un leader, c'est un joueur qui marque des buts, qui sait faire jouer son équipe, qui a été aujourd'hui, notamment sur le match d'aujourd'hui, très important dans le repli défensif. Moi, je l'ai trouvé dans son rôle d'harceleur, très important dans les consignes que lui a donné Zidane, d'aller empêcher comme ça Palero. On sait que Valence, c'est la première relance qui est très importante pour orienter le jeu. On les voit en Ligue des Champions, on les voit en championnat. Il reste sur une bonne dynamique en ce moment. C'est des joueurs qui sont très en confiance. Il a gagné énormément de duels, il a réussi beaucoup de passes à trouver ses joueurs dans l'intervalle. Il a beaucoup combiné avec Rodrigo également, avec Isco. Moi, s'il a toute la palette, toute la panoplie complète, hein, on ne va pas le présenter. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va changer. Maintenant, moi, j'attends ce match face au Real, les matchs face à l'Atlético, des matchs couperets comme ça, où voilà, l'intensité est là, où il doit marquer pour pas seulement faire un bon match, doit porter l'équipe, doit marquer parce que c'est lui le buteur, c'est lui l'attaquant numéro 1. À partir de là, moi, je pense qu'il aura rempli tous les contrats. Ouais. 16 buts en 21 matchs pour Karim Benzema, toutes compétitions confondues. Il y en a 12 en Liga, il y en a 4 en Ligue des Champions. C'est ça sa vraie force. Doublé face au PSG, notamment doublé face à Paris, c'est ça sa vraie force à Karim Benzema, c'est de pouvoir se muter en facilitateur de jeu quand il y a les individualités qui répondent présent et endosser le costume de buteur et de d'arme offensive létale quand les autres ne répondent pas. Ouais, c'est surtout cette faculté à se montrer maintenant décisif et à endosser ce rôle de leader. On sait très bien que quand il y avait Cristiano Ronaldo, il était le premier à dire qu'il était au service de Cristiano Ronaldo et qu'il ne faisait peut-être pas tout pour marquer ou avoir ses stats, mais servir le collectif et son partenaire privilégié. Et aujourd'hui, depuis le départ de Cristiano, on a vu que ce joueur-là a su assumer ce rôle de leader. Et moi, ce qui me fascine aussi, c'est le discours de ses partenaires. Je vois souvent avec les Brésiliens, que ce soit Vinicius Junior et Rodrigo, qui sont très jeunes et qui ne cessent de dresser des louanges à Benzema en disant que quand ils sont arrivés, il les a aidés, il leur parle énormément, il leur donne beaucoup de conseils. Donc tu sens que ce joueur-là aujourd'hui, il a pris la dimension de son nouveau rôle de patron et qu'il accompagne aussi ses partenaires les plus jeunes pour leur donner des conseils sur le terrain et en dehors des terrains. Et ça se ressent sur le carré vert. Quoi. On voit aujourd'hui que ce joueur-là, sur le rectangle vert plutôt, on voit que ce joueur-là permet à ses partenaires, permet à ses partenaires de briller, mais aussi c'est devenu le buteur, la référence, ce qui n'était pas le cas auparavant quand il y avait Cristiano. Maintenant, il est devenu la référence, mais il continue aussi à faire briller ses coéquipiers. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, sa dimension, elle est beaucoup plus importante au Real Madrid qu'auparavant, parce que il n'a plus ce joueur qui pouvait être le partenaire qui était Cristiano Ronaldo, mais il a su quand même conserver cette responsabilité et continuer à faire briller son équipe. Tu penses aussi la même chose, que c'est autant mental que sur le terrain que Karim Benzema est important pour le Real maintenant. De toute façon, maintenant, quand on passe plus de 10 ans au Real, c'est qu'à un moment donné, on a quand même un statut et je pense qu'il l'a aujourd'hui. Voilà. Mais là, je vais remettre mon costume d'éducateur, mais franchement, j'aimerais que les gens comprennent que vous savez, quand on va sur les terrains, il y a souvent les parents « Ah, mon fils, c'est un buteur. » Mais en fait, là, il est en train de montrer qu'on peut être un buteur en étant un joueur intelligent, en travaillant pour l'équipe. C'est-à-dire que, comme l'a dit Alpha tout à l'heure, en première mi-temps, il a fait des replis défensifs de 30-40 mètres. Il fait des courses de 30-40 mètres. Mais quand il récupère le ballon, il est déjà là-haut. Il se déplace juste. Il sait où se déplacer. Il sait quand se déplacer. Avant, il décrochait. Il décrochait pas toujours au bon moment.
Maintenant, il décroche vraiment quand il faut, c'est-à-dire qu'il sait rester là-haut, parce que c'est malgré tout l'avant-centre, mais il sait à un moment donné décrocher pour libérer des espaces, pour venir aider son équipe à sortir le ballon. Et donc, il travaille. Il est dans la justesse, au fait, dans le bon timing. Voilà. Et il sait garder le ballon, il sait jouer en une touche remisée. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, il est complet. Et quand on entend des parents d'enfants de 12 ans, 13 ans dire ah, mon fils, c'est un buteur. Non, mais... Il faut juste qu'il marque des buts et uniquement ça. Bien sûr que c'est pas que ça. Après, alors, évidemment, il y a des joueurs qui sont faits pour ça. Oui, voilà. Il y a Icardi, des joueurs comme Icardi qui. Mais, oui, par exemple. Voilà. Bien sûr. C'est pas le même profil d'attaquant. Voilà. Mais en tout cas, s'il y avait un exemple à prendre aujourd'hui, c'est lui. Il sait tout faire et il fait tout bien. Et moi, je trouve qu'il a pris en plus en volume de jeu, c'est-à-dire qu'il fait encore plus de courses qu'avant, parce qu'il travaille. Et le système de jeu fait aussi qu'il est obligé de travailler par rapport à avant, parce que, par exemple, quand là, tu joues avec Valverde en 6, c'est pas Casemiro, donc à un moment donné, il faut quand même aller... Et essayer de mettre un peu d'intensité et d'impact. Voilà, gêner la première relance, voilà. Ouais. En tout cas, Karim Benzema permet au Real d'être co-leader avec le Barça de Dominique, Liga. Ouais. Cette saison, c'est un but face à Valence, c'est un but face à Séville, mais il ne marque pas contre l'Atlético, je pense que c'est 0-0 qu'ils font face à l'Atlético Madrid. Donc c'est, voilà, c'est quand même sur trois gros rendez-vous de la saison, si on veut le dire. Il avait marqué contre la Sociedad, qui est un gros club de Liga cette saison. Un très bon club qui est joueur, mais si on considère les top clubs qui te viennent comme ça directement en tête quand tu cites la Liga en ce moment, Valence, l'Atlético Madrid, Séville, c'est deux buts sur trois confrontations. Donc voilà, moi, comme je le dis encore une fois, je sais que c'est un joueur de tellement une grande classe, une telle qualité, une telle intelligence dans le jeu, dans le placement, comme tu le dis, que les matchs face à Eibar, face à l'Espagnol, face à toutes ces équipes-là, Mallorca et tout ce que tu veux, il va le faire. Il sait se placer, il a intelligence. Quand tu es attaquant et que tu es plus intelligent que ton défenseur, tu as 70-80% de plus de chances de marquer déjà. Défenseur sur le placement, la distance que tu mets entre vous. Enfin, c'est pour ça que la Ligue des Champions, ou les grosses affiches, c'est là qu'on attend vraiment les attaquants de cette race-là. Donc Benzema, moi, je pense qu'il est ce genre d'attaquant-là. Et voilà, ce classico-là, je l'atteins également au tournant là-dessus. S'il marque, je vais le louer. S'il ne marque pas, je ne vais pas le louper. Ça va revenir. Ça ne va pas changer. Bien sûr, bien sûr. C'est comme mon papa qui aime ses enfants. On ne juge que les performances. Voilà. On ne juge que les performances. Tu parlais des buts importants et tu l'as dit en préambule, mais on va le répéter. Il y a aussi le doublé contre le Paris Saint-Germain. Ah oui, c'est le seul joueur qui a marqué face au PSG. Exactement, exactement. Ah ouais. On va voir les résultats et le classement de cette Liga, les résultats de cette 17e journée de Liga, avec hier le match nul du Barça du côté de la Sociedad, victoire de l'Atlético contre Osasuna, et aujourd'hui on a eu la défaite de Séville face à Villarreal et le match nul du Real Madrid. Et beaucoup de matchs nuls ce week-end, hein. Tous les championnats. Face au Real Madrid, face à Valence, pardon. Excuse-moi, j'ai perdu dans mes tableaux. Oui, pas mal de matchs nuls, t'as raison. Partout. Barça est en tête pour deux petits buts devant le Real, mais tout ça sera terminé après le Classico, parce que vous le savez, en Liga, c'est la différence de but particulière qui prime. Donc le Barça est devant le Real avec 35 points. Le FC Séville suit avec 4 points de retard. Getafe est un beau quatrième de Liga. On avait oublié Getafe, mais comme l'année dernière, ils sont dans les avant-postes. Avec leur duo du trentenaire, là, Molina et Mata. Ouais. Et c'est Angel Rodriguez qui marque plus cette année. Qui est remplaçant. Ça dépend, il tourne à 3. Il tourne à 3, mais ouais, aujourd'hui, il a commencé sur le banc. Valence est 8e, à 3 points seulement de la 4e place. Voilà, c'est assez resserré en Liga. Dans le bas du tableau, on a le Celta Vigo qui est barragiste avec Leganés et l'Espagnol qui sont relégables. Merci messieurs, c'était une émission complète. Il y avait beaucoup de sujets, mais c'était très intéressant. C'était à la hauteur de la journée de foot qu'on a passée aujourd'hui. Merci Alpha, merci Yacine pour ta première. C'était très sympathique. Demain, on nous dit, il y a le tirage. Merci Dominique aussi, hein, bien sûr, mais t'as l'habitude. Hein, oui. Demain, on nous dit le tirage au sort de la Ligue des Champions. Effectivement, il est à 12h. Il y a le tirage au sort de la Ligue Europa aussi par la suite. Émission spéciale sur le tirage au sort de la Ligue des Champions. Demain, vous aurez, ça sera autour de Samuel Vasselin. Il y aura du monde pour en parler. On sera là vers 23h pour faire un débrief intégral de cette journée, de ce tirage au sort des 8e de finale de la Ligue des Champions. J'aimerais remercier Arthur Veil à la rédaction en chef de cette émission, avec l'armée du soir qui a magnifiquement bien travaillé, parce que quand une émission est complètement chamboulée à 21h30, quand on reçoit un communiqué de l'Olympique Lyonnais qui dit qu'il y a des blessés et qu'on doit tout refaire, et ça fait beaucoup de boulot. Et donc j'aimerais remercier véritablement Samuel Zaguri, Victor Théron, Yanis
Idriss Ben Messaoud, Marwan Sayer, Najib Terzi qui nous ont aidés aujourd'hui, qui ont été vraiment réactifs et productifs. Merci à Arthur Lalauré qui était à la technique et la réal, parce que nous sur la technique et la réal on ne peut rien. J'oublie pas Tito Ambusman et Emen Archan à la production. Merci à vous les socios d'avoir été là ce soir. Je vous lance un dernier appel au like. Balancez-nous des pouces bleus, c'est important. On a besoin de votre soutien un maximum, ceux qui sont là en direct, ceux qui nous regardent en replay. On sait qu'il y en a beaucoup qui nous regardent en replay pendant la nuit, pendant votre journée. On est là sur tous les soirs pour parler de football européen, donc n'hésitez pas à nous balancer des petits pouces bleus. Je vous rappelle aussi une dernière fois la question du soir. La question du soir, les socios, elle est sur l'Olympique Lyonnais. Après toutes ces blessures, après celle de Memphis Depay, celle de Jeffrey Nadélaïde, précédemment celle de Léo Dubois et de Youssouf Koné, est-ce que l'OL peut viser le podium en Ligue 1? Vous me donnez votre avis dans les commentaires de ce replay, et puis vous venez avec vos petits arguments, et puis Alpha, Dominique, Yacine et moi, on viendra pour débattre avec vous. On a fait un long débat sur l'OL, pour ceux qui sont en replay, vous pouvez revoir, c'est le début de l'émission. Passez une très très bonne soirée, une bonne nuit, et on se donne rendez-vous demain dans le Club des 5. Ciao tout le monde. Ciao.